Bonjour, j'espère que ça va. C'est parti pour une petite session de questions. Connexion serveur imminente. Connexion. Connexion. C'est parti, Mangiki. Ça va tellement vite, quoi. Sur The Center, c'est magnifique. Magnifique, ça y est, on est connecté, vous avez vu ça? C'est beau. On est à l'heure, The Center. This ninja is the best server. Best map, on va dire. Je parle bien anglais, ou pas. Je parle bien anglais, ou pas? Bon, j'ai changé la luminosité du jeu. Si jamais vous dites oh, c'est trop lumineux, bah, faites-moi signe quoi. Faites-moi signe. Avant c'était trop sombre. Oh wow, je lag. What the fuck? Pas comment ça va laguer, ça va pas. Hein. Comment ça va laguer, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Je vais juste vérifier un truc. Non, ça va. Ça va. Ouais, c'est le début, c'est le début, ça va être normal, on va dire. On va dire. J'ai vu un Tapajera hier. 150 sur l'île là. C'est un des oiseaux que j'ai vraiment envie d'avoir. Je trouve qu'il a vraiment la classe. Et lui, il est en l'air, ça fait 3 jours. On l'a surchargé pour pas qu'il s'en aille, mais du coup il vole quoi. Du coup le Tapajera 150, j'adore. J'aimerais bien le tamer, mais malheureusement comme on a eu des allosaures depuis pas longtemps sur Valhalla, on avait que deux. On avait récolté 2-3 œufs maxi. Du coup ce serait pas au kibble, ça me fait chier quoi. Ce serait long déjà. Je sais pas si ça vaut le coup. Pas. Donc la question c'est ça, c'est un peu la question du live quoi, la question de ce stream. Déjà, je sais pas si j'arrive à le tamer tout seul parce que on n'a pas de fusil, on en avait mais on n'en a plus, avec les flèches tranquillisantes. Donc du coup, pour l'endormir, il faudrait pas mal de flèches, flèches narco avec arbalète de base quoi. C'est assez compliqué. Et pour ceux qui étaient là l'autre jour avec le Rex Alpha 120 qui m'a détruit mon Rex, qui m'a dégoûté d'ailleurs. Ben. Putain, il a faim lui. Il a putain de faim mon Ptera. Je vais faire manger. Hein, je peux pas monter dessus. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ce jeu est bizarre quand même. Putain, j'ai horreur de ce petit enclos de merde là. C'est horrible. En plus, j'ai mis la porte à l'envers comme un as. Du coup, ça fait un peu chier, je sais pas. Mais. Bon, le Rex Alpha, il a disparu. Hier, j'ai cherché masse, je l'ai pas trouvé. Par contre, qu'est-ce qui se passe là? Ça va être bizarre, hein. Je sens que ça va m'énerver. Je sens que ça va m'énerver! Il y a un cadeau, bah allons le prendre, hein. Il est juste à côté. Allons prendre le cadeau qui est juste à côté. Non! Le jeu il bug là. C'est ce que j'ai de la latence avec ce que je fais. J'ai voulu me poser, il a pas voulu. Étrange, étrange. Très étrange. Ouh, ça c'est bien ça! On a plus de sauf-neige. On n'a pas de poils encore, mais direct des gants bleus quoi pour commencer. Boum, Blueprint. C'est vraiment bien ça. Ça c'est vraiment 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 bien quoi. Je suis content. T'as pas de Gera, je sais pas, on peut se jeter un peu. Par contre lui il a faim, faut pas crever de faim encore. On lui donne à manger là. J'ai faim. 125 là. Mais pourquoi j'ai de la latence? Ça rame. Ça fait pas ce que je veux tout de suite. C'est bizarre. C'est très bizarre même.
C'est inquiétant. Très inquiétant, trop inquiétant. J'ai plus de stamina, c'est ballot. C'est ballot, j'ai plus de stamina. Je vais te manger, toi, tu sais pas encore. Mais tu vas le savoir. Voilà. Voilà, meurs! On l'a tué. Ah, il avait faim. T'avais faim, mon petit Redaro. C'est que j'ai tourné, je sais pas combien de tours de map hier. Enfin, de map, de l'île. Justement, pour trouver ce Rex Alpha 120. Pas qu'il nous défonce nos autres bestioles. Je l'ai pas trouvé, il y a plus, c'est sûr. Et si là il y est, ce jeu il est déglingué quoi. C'est impossible qu'il y soit. Il a fait crever de faim tellement j'ai tourné quoi. Mon Ptera. J'ai même pas remarqué d'ailleurs. Oh, c'est à moi! C'est ma nourriture! Oh, salaud. Le salaud! Bah, voilà ma boeuf. Voilà ma boeuf. Après, je l'avais vu, le Tapajara, il était là quelque part ici. Après, l'île est petite et ça vole, hein. Mais lui, il est plus là, quoi. J'ai halluciné quand je l'ai vu. J'en avais déjà vu en plus un. Je crois 135 quelque part. Je me suis dit, putain, t'es pas déjà à 135 et tout. 140, je sais plus. Et du coup, je voulais. J'étais presque tenté. Quand j'ai vu le 150, je suis dit, non, mais c'est du troll là. C'est du troll. Mais je sais pas si je vais le tamer. Je sais pas. Ça va être chaud. Je me vois pas lui mettre un. Déjà, faudrait des bolas, je suppose. Bolas, flèche, flèche. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, le salaud. Bolas, flèche, flèche et. Je sais pas, voilà quoi. Ça, c'est de la merde aussi, ça fait super mal. Ça, c'est un peu cheaté, je trouve, ces bestioles-là. Ouais, bestioles plumeuses, là, je sais pas trop. J'ai perdu Ikranou quoi, l'autre jour. Chaque jour je perds une bestiole limite, c'est ça. Il était 135 le bordel, 145. On était à 4 loups, il nous a buté un loup quoi. Ok. 4 loups contre une bestiole 145. Au revoir! C'était mode what the fuck quoi, un peu le truc. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop pour ce tapajara. Jara. Pourquoi j'ai un problème? En fait, ce jeu, il m'en fout, on dit. J'essaye un truc parce que. Des fois, quand je veux ouvrir une porte ou soit m'envoler ou atterrir, ça marche pas. Pourtant j'arrive à voler correctement, vous voyez ce que je veux. Là j'arrive plus à m'envoler, vous voyez. Là ça s'envole. C'est. Quelqu'un connaît le problème, c'est lié à quoi? Si quelqu'un peut m'aider, m'éclairer ma lanterne. Je peux voler nickel, je vois pas où il y a le souci. Ça vole, hein, on est d'accord. C'est comme si je restais bloqué, que je pouvais pas tourner, monter, descendre. Mais dès que je vais faire une action autre. Différente, genre ouvrir une porte ou quoi, là ça marche. Là je peux plus me poser, ouais, nouveau. Pourquoi? C'est le jeu ou c'est le serveur ou c'est moi ou... Vingt de ping sur le serveur. Mon PC il va bien. Je sais pas. C'est étrange. Ce jeu est très étrange. Trop étrange même. Faut sortir un loup, faut aller faire un peu de viande parce que là, le terrain c'est chiant, surtout qu'il bug. Hein. Surtout que c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai encore envie de me cracher, je sais pas où là. Perte de contrôle.
Allez, m'aider! Perds le contrôle! Perds le contrôle! Allez, croc dur. C'est mon meilleur loup. Hein. Faut qu'il meure. Hein. J'ai perdu mon meilleur Rex hier. Hein. Tu l'aimes bien, Mérite, ton pote. Là, il est plus. Il n'est plus. Mon meilleur loup qui n'a pas été trop ex en plus. Hein. Qu'il est pas. C'est pas non plus un ouf, quoi. Ça va, je sais pas. Niveau damage, 500 de dégâts de melee, c'est pas mal, genre, je trouve, pour un loup. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, je peux pas attaquer tout le temps. À moins un problème quelque part. Ah, un problème quelque part. Un problème là, Caris. Caris. Je sais pas trop. C'est même pas du tout en fait. Hein. Meurs la tortue. Voilà, on te mange. Comme ça, bon, c'est un peu chiant à buter, torture, ça va battre sur le cloud. Rabattons-nous sur autre chose. Je défends ton pote, c'est bien, mais tu fais ça, c'est trop tard. C'est trop tard! Mort. Mort. Il est mort. Meurt. Ou pas. La 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 la. Non, je vais le laisser le pauvre bistrot. Même le phoque, hein, j'étais méchant. Oh, il m'a volé mon bocal. Oh, le salaud, viens là. Mon bocal. Putain, je fais que de me faire voler tout le temps. Vas-y, putain, j'ai pas de stop. Fuis, pauvre fou. Il m'a volé mes... Il est où? Oh, le fils de pute. Il m'a volé le putain de blueprint. Oh, putain. Je sais pas, toi. Je sais pas, toi. Mon bocal, il est où? Reviens! Il est où ce connard? C'est un dodo! Oh putain, il a fui! Oh le fils! Oh le fils! Et l'autre, il m'a volé le putain de blueprint, quoi! Pas sérieux, quoi! Oh bah c'est niqué, quoi! Salaud! C'est horrible, ces bestiaux! C'est horrible! Horriblement horrible, quoi! Hey, je sais pas où il est. Je sais pas où il est passé. On a récupéré le blueprint, hein, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Tant pis. Putain, les salopards, quoi. Incredible. Incredible. C'est tellement de bestioles sans plus. C'est ouf. C'est ouf.
Bah, ça faut faire gaffe. Hein. Level 8, je vais quand même tester level 8. C'est pas un 145. Mais des bonnes tartes, hein, ça. Là. Ça va. On me vole pas, toi. Ok, on va rentrer. On se recuire de la viande. De la viande. Il va donner à manger à nos animaux. Si on voit le tapas de Gérard. Hein. Il était rose, je crois, par contre. Rose ou rouge, il faisait nuit, je sais pas, j'ai pas vu. Si les rouges, c'est parfait, quoi. Je crois qu'il était rose. Tiens, je vais lui voler. C'est à moi. Quarante le dilo, lol. Un dilo 140 quoi. Putain, j'ai eu peur. Salut Poca, tu m'as flippé! Oh bordel! Je vois un truc rouge, qu'est-ce qui se passe? J'attends de télécharger les mises à jour Steam, j'ai réinstallé, petit souci. J'ai réappelé à l'ouvrir. Ouais. Salut Quentin de Montargis, salut Rustre! Comment ça va? Ça fait longtemps, c'est pas un bail! Nous sommes de retour! Je vois pas le stream. Ouais. Je fais bien de pas voir le stream, hein. Si elle savait. J'ai eu un coup de stress là en voyant Poca été tué par un dilo. On va rentrer à la maison, on va le bouffer ce dilo, le salaud. Il est en train de se courir et de se bouffer quoi. C'est pas de la. C'est pas du jeu quoi. C'est pas du jeu. Clairement pas du jeu. Clairement pas. Le Carnot là aussi. Allez, salut. Il est où ce dilo meurtrier? Je sais même pas où il est le corps à Poca. Où est son corps? Du coup, on dort derrière là. En mode un peu à l'arrache quoi. Oh putain, il y a une bestiole de merde. Je sais pas où elle est. Ah oui, mais. Oui, en fait, elle est pas là. Ouais. Le Rex Alpha et tout, elle avait crash. Du coup, elle s'est fait bouffer. Elle doit être vers là-bas. Je sais à peu près. C'est un level combien celui-là? Il est bleuté. Level 18. Et on peut le tuer alors. Je vais aller voir, logiquement elle doit être quelque part par là-bas. Peut-être réussir à la trouver. Elle avait eu un crash, elle était de ce coin, dans ce coin là-bas. Si on voit un sac là, ça va le faire. Au pire c'est pas grave, c'est que de la chitine hein, en masse. En masse chitinasse. Salut toi. Oh j'ai levé up en faisant rien, what the fuck. C'est bizarre quand même ce jeu. Non, c'est normal. Ça arrive. Il n'y a pas beaucoup d'XP en même temps. Level 1, what the fuck. Tu sais que t'es nul toi, tu mérites de mourir.
Voilà, meurs. Elle était quelque part par là. Bon, bah, on va mettre du dégât, hein, c'est ce qu'on veut. Du dégât, non. Putain, c'était combien? 72 d'armure, quand même, le truc de neige. Bleu. Putain, qu'on s'est fait carotte direct, quoi, instant. Non, mais sérieux, quoi. Les bestioles de merde. On m'a du dégât! Moi, en général, je mets full dégâts sur mes bestioles agressives. Je mets rien d'autre. Je sais pas si c'est le top, mais. J'aime bien croquer, en fait. Hein. Ça croque. Après, quand on a alpha, c'est sûr, c'est pas le top, mais bon. Sur voilà, on n'avait pas d'alpha réellement. Donc, je sais pas. On va voir. Mais. Par par là. Ouais, c'est pas grave, je trouve fort. C'est pas grave. C'est par la mort du petit cheval. La mort de Poca, mais pas du petit cheval. La petite cheval. Il fait sombre là. Il fait sombre. Les œufs, je ramasse pas pour l'instant. Faudrait qu'on arrive à déménager. Faut pas que je m'occupe du tapas de Gera, de toute façon. Je sais pas, qui, je sais pas. Si on le voit, peut-être, qui sait, je vais essayer de tenter de le tam. Mais. C'est ça la vraie question de ce live. Est-ce qu'on va se faire un tapas de Gera ou pas, quoi? Même moi, je ne sais pas. J'aimerais, mais en même temps, ça me fait chier, quoi. Ça prend du temps parce que j'ai pas. Ça me prendrait. J'ai regardé 6h, 7h. Sans les kibbles. À la prime. 7h au moins parce que. Oh putain, ils sont violents quand même. What the fuck? C'est des dinosaures qui font des bruits de. De disqueuses, quoi. Bruit tout aigu, tout. On dirait qu'ils sont en train de disquer un métal. Hein. Original. Original. Bon, on avait les bruits de moteur et compagnie. Là, on avait le bruit de machine. On est passé dans le garage. On est passé de. Bon, on était déjà dans le garage en fait. Le bruit de moteur avant. Je sais plus quelle bestiole faisait le bruit de moteur. Mais. Bruit de robot, bruit de moteur, bruit de disqueuse. Où allons-nous? Salut JVG, ça va? La forme! Bon, moi je vais rentrer. Je vais rentrer à la maison. Non, 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 non. Non, 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 non. Maison. Magnifique. Le mangeoir, j'ai mis de ce côté, on s'était déjà fait détruire, je sais même pas quand d'ailleurs. Les saloperies de bestioles. Hein. Motte à viande, gros dur. Pourquoi j'ai de la latence comme ça? C'est pas normal. Hein. Clairement, c'est pas normal. Oh, on a une lance? Ok, d'accord. C'est bien, on. C'est bien pour eux. Là, regardez, j'arrive pas à accéder. Pourquoi? Je suis vraiment. Je commence à flipper ce jeu. Il me fait craquer ce jeu psychologiquement. Tout allait bien, tout était nickel. Et là, déjà l'autre fois, c'était pareil. C'est parce que je live. J'ai jamais eu ça sur Valhalla. Mais là, j'ai masse FPS et tout, mais non. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bref. Cherchons pas, on va jouer avec de la latence, hein. Comme si j'avais 100, 150 de ping, quoi. Alors que j'ai 22 ping, c'est cool. C'est cool! Cherchons pas. J'aurais pu faire transférer tout, hein. Je parle, je parle. Faire transférer tout. Après, on s'en fout. Des baies, ouais. Des baies, il en faudrait aussi.
côté pour l'instant. Oh les flèches, ouais les flèches on en a masse. La peau on a un volt plein. Ok. Ils avaient faim hein, les herbivores là. Ils sont déçus. Ils sont déçus, ils ont pas plus. La chitine va dans la mangeoire. Il y a des bestioles qui mangent la chitine? Bizarre. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Bon. On va la mettre là, la chitine. Là. Et le blueprint, on va le ranger très précieusement. On va le mettre dans divers. On n'a pas encore remis des armoires à blueprint. En même temps, on veut pas s'installer là, comme on avait déjà dit. Hein. Du coup, ça risque d'être le bordel si on reste trop longtemps à l'arrache ici. Faut vraiment qu'on se trouve un endroit, ce stream là, pour habiter. Ou qu'on se tape un tapajara 150. Ou les deux. Suis un peu tiraillé entre les deux, quoi. Après, je vais pas le chercher des heures, le tapa, mais si on le voit, bah, je tenterai, je pense. Même sans kibbles, tant pis. Dégage, toi, dégage. Ah, ah mince, j'ai la lance encore sur moi. Salut Schultz, ça va bien? Forme. Qu'est-ce qu'on voulait? La lance. Donc c'est dans les armes. Les armes, c'est ici, je crois. Voilà. Voilà. Alors, hop. On va se faire cuire de la bouffe aussi, on a dit. La bouffance, la bouffance. De la bouffance, de la bouffance, faut attendre que ça cuise maintenant, la cuisance, après, oh il y a un rex là-bas, un rex qui est mort, il s'est détruit par des brontos, c'est pour lui, hein. Il y a rien dedans, rex level 1, ouais. Il l'a bouffé. T'es comme ça, toi. Il est comme ça, mon loup. Il l'a bouffé. Toi qui a pas de trucs verts, je prends pas. Au moins des trucs verts, en vrai. Ils sont beaux, quand même, ces patchy machin truc. Pachinosaur, c'est ça? Je connais pas les nouveaux noms, moi, en général. Je galère. Patchy. Rhino. Pachyrhinosaur. C'est un patchy rhinocéros. C'est chelou, hein. C'est un peu chelou comme bestiole. Pas de chirino. Ok. Pas de chirino. Le pas de chirino. Je pensais à un mot italien, le piccirido. Ça veut dire le petit, quoi. Le petit. Petit. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est en rapport avec le petit, quoi. Le piccirido. Pas de chirino. Piccirido. Pareil, je vais l'appeler Pichirido. Voilà, c'est le nouveau nom pour moi du Pachirino. Je trouve que c'est plus ce qu'il est, plus stylé pour lui de s'appeler Pichirido. Alors qu'il est pas petit. Hein. Salut petit phoque. Moscop. Moscops. Lui on pourrait l'appeler Pomboscop, c'est ça? Moscops? Ah. Non, peut-être pas, c'est pourri ça. On va pas l'appeler comme ça. Ça c'est très pourri quoi. Moscops. Boscop. Hein, qui sait, on voit peut-être le Tapajara, mais bon, en loup ça va être dur de le voir, je pense. Est-ce qu'il s'accroche réellement aux arbres, les Tapajara? On rencontre ça, je sais pas. Ça, je ne sais pas. On le saura peut-être. Moi, chitine.
Justine, je veux Justine. Pas sûr que. Après, c'est bizarre. Le Rex 150 Alpha, il a disparu. Donc, si les bestioles disparaissent comme ça, what the fuck? Ça se trouve, il a aussi disparu, le tapas, quoi. Pas. On va regarder. On a perdu un loup, on en perd deux. C'est bon, on va lui. J'ai perdu quand même de la vie. Tapa Jera. Où es-tu? Où est-il? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas dans les airs. Ouais, j'ai faim, faut rentrer. Il faut rentrer. Rentrons à la maison. C'est un petit rat. Et plus de tapas de gira sur l'île, en fait. Hein? Il devait y en avoir. J'en avais vu 2-3, donc. Au moins 2-3, quoi. T'es rien, hein. Ça n'a pas changé. Banzai! Allez, petite viande. La bonne petite viande. Ah oui, je me suis fait carotte mon bocal. Faut que j'en fasse un bocal. Hein. C'est chiant. Oh, je suis mort. Putain, je croyais que c'était un raptor. Raptor, il rigole pas en général. Il rigole pas. Oh, c'est cuir. Tant pis, le bois. C'est pas grave. Pas grave. Bon, le bocal, donc il me faut du cristal, je sais plus exactement ce qu'il faut d'ailleurs, mais... cristal, cristal, et cristal, et cristal déjà, pour commencer, cristal, je me souviens, c'est là, je crois, oui, là, alors, on va en faire plusieurs, je me fâche, carotte mon bocal, mon petit bocal. Attends, on va marquer bocal, bo, que, voilà. Sémanting, ok. Sémanting, c'est plus ça, c'est vers le fond. Ah non, oui, c'est ouais, c'est vers le fond, mais avant la ligne, ok. J'ai encore un peu de mal. Voilà. Allez, on prend 3 stacks. Et on craft. Des bocaux. Des beaux, des beaux, des beaux, des bocaux. Le bocal, pas le col, le bocal. Le bocal. Mais il est où le bocal? Ah, il est là. Il est là le bocal, on en fait 27. Non, je rigole. On en fait 6, vas-y, parce qu'à chaque fois on me voit le bocal. Donc, normalement, c'est bon, j'ai compris quoi. Hein. J'ai compris quoi, j'en fais 18 et comme ça on est tranquille. Hein. Pas 18, mais bon, bref, c'est compris. Et je mets dans outils. On a un outil, mais bon, on va dire que hein, c'est comme si. C'est comme si. Allez, le dernier. Sésame, range-toi, c'est bien. Hop, on va mettre le cristal là-bas vu que c'est lourd. J'aimerais bien partir en Ptera, voir un peu s'il n'y a pas le tapas et qu'il fait bien jour. Ok. On va repartir en Ptera. Le Ptera. Hop. Voilà. T'as pas de gère, où es-tu? Si on peut le voir comme ça de loin, seul avec une vue d'ensemble, je ne sais pas. Salut, Pachi, qu'est-ce que tu fais là?
fait là, lui? Ah, on sait pas, peut-être qu'ils sont sur les arbres là-haut. Je sais pas, moi. Je vais aller voir au bout des croissants. Au bout des croissants, qui sait? Au moins, on va faire ça bien. On va bien fouiller. L'île, elle est pas grande du tout. Hein? Bien la fouiller. Fouiller, fouiller, papa fouiller. Ah, on voyait le soleil à travers la montagne, c'est joli. Hein? Le soleil est puissant. Hein. Tellement puissant qu'il traverse la montagne. Hein? Lol. C'est du trop lol, quoi. Okay, déjà, croissant, il n'y a rien. Pas de tapajera ou quoi au croissant. Ok. Après, on va faire tout le tour en bordure d'eau. En plage, à la plage. Je pense pas qu'il sera là. Mais bon, c'est le truc le plus rapide à visualiser, quoi. Donc, visualisons d'abord. Hein. Visualisons. Visuali. Non. Faire un jeu de mots pourri. J'ai pas réussi. Comme quoi. Je m'améliore. Si j'arrive plus à faire des jeux de mots pourris, c'est bon signe pour vous. Hein? Ah, je pense pas qu'ils sont au bord de plage. Ça paraît très bizarre. J'en ai déjà vu, hein, au bord de plage. Vers le croissant, justement. Là, j'en vois plus carrément. C'est ouf. Ah, c'est ouf, je trouve, là. Étrange, étrange, vous avez dit étrange. Trop étrange. On arrive nouveau au croissant. Au croissant. Ok, donc là on a fait. Là on va partir vers l'intérieur et refaire un tour. Oh, on a déjà regardé. Bah, le mieux c'est quand même d'aller vers la terre, hein, à mon avis. Meilleure vision quand même, la chose. T'es fait vachement sombre dans la forêt, hein. C'est ouf. Trop vite. Bizarre quand même. Plus de tapajera. Les bestioles disparaissent en fait. Ça me fait peur, hein, The Center. Je suis plus confiant là. Un Rex Alpha 120 qui dépop. Je ne sais comment, il a dû se noyer tout seul. Ce con. Tapajera par contre, comment est-ce qu'il est mort? Un 150. Je sais pas, ça paraît très bizarre quand même. Trop bizarre. Je commence à flipper de cette map en fait. J'ai peur. Pas, je sais pas. C'est sûrement normal. Hein. Sûrement mort. Là, on voit plus grand chose. Ça fait sombre. Même très sombre. Ah, on va arrêter de chercher là. On va faire un nuit là. Arlis. C'est pas grand, c'est vraiment petit. Hein.
Après, peut-être qu'il est parti sur une autre île ou quoi? Bonjour, Ikan, ça va? Bien, bien, bien. Il est peut-être parti sur une autre île, hein? C'est possible, non? Je sais pas. I don't know. Je vais faire un truc aussi. Oh, t'es en passif, toi? Pas sérieux, ça. Pas sérieux, ça. Pas sérieux. Alors, hop, de la viandasse. De la viandasse. Et de la viandasse. Merci. Hop, hop, hop. On va le mettre là-dedans, hein. On va mettre ça là-dedans, les animaux ils adorent manger de la viande. Cuite. Non, ils nous la laissent, ils sont gentils. Ils sont bien nourris. Ils sont bien nourris, ils sont bien nourris l'eau. Ils sont bien nourris. Par contre, il fait froid. Bon, à la levée du jour. Là, je vais me chercher à boire vite fait. Et un Rex, bonjour. Regardez son level, hein, en cas où. Qu'on se fasse défoncer la gueule. À la levée du jour, on va encore chercher un peu le tapas. Tapas, 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 jera. Si on trouve pas, bah ma foi. Ouais. Faudrait que j'aille dans le biome Redwood. Moi je pense que. Saison. Collection ours. Ouais, bah ça. Saison. C'est hors saison la saison quoi. Ouais, ça existe plus, c'est dangereux. Moi qui travaillais dans la nature pendant un bon moment, même moi j'ai vu la différence. Même moi j'ai vu la différence. D'année en année, c'était de plus en plus bizarre. Et ce n'est pas du psychotage. Il y a de l'hiver en automne, il y a de l'hiver au printemps, il y a de l'automne en hiver, il y a de l'été au printemps, il y a de l'été en automne, ouais bref. En gros tout est mélangé quoi. Heureusement en hiver il fait encore généralement froid quoi, heureusement qu'on n'a pas eu 30 degrés quoi. Ce jour n'est pas encore arrivé, profitons. La fin du monde n'est pas encore très proche. Fuck Iceland, hein? Ah les îles, ouais. Les îles. Bon, il fait déjà jour là ou c'est quoi? 22h40. Ah ouais, en fait non, j'ai l'impression des fois il fait jour. Mais... En fait, non, il fait même pas encore nuit quoi. Putain, ça va être long. C'est long à hein, une demi-heure. Du coup, je sais pas. En tout cas, je vais regarder un peu la map. En tout cas, on a réfléchi pour s'installer, je pense, le mieux. On va cogiter de ça ensemble. On va se mettre là-haut pour cogiter, par contre. Plutôt là-haut. On se met là pour cogiter, comme ça. Je me fais pas manger par n'importe quoi. Le truc, c'est qu'on a pensé à un endroit pour habiter réellement. On s'est dit, les petites îles, donc l'île d'ailleurs où on est là, c'est pas le bon plan. Parce que si on veut aller au biome neige avec nos bestioles, ou aller au biome n'importe où en fait, ça va être la merde. On devra partir soit en oiseau, quetzal, soit faire des plateformes machin, soit partir en bateau. C'est un peu pourri quoi, en bateau c'est super long dans un sens. Donc, pas top top. Donc les petites îles, on oublie. L'île volcanique, il n'y a peut-être pas tout ce qu'on veut dessus, c'est assez agressif. Et niveau beauté de l'île, c'est joli quoi, le volcan et tout, ok. Mais moi j'aime bien la verdure, les petits chants des oiseaux, les petits cri-cri là qu'on entend. Hein, ah, bref.
Ah là, donc ça non plus, on a pensé. Les marais, perso, moi je flippe des serpents. J'aime pas les serpents du tout. Poca non plus, je crois, hein, dans un sens. Les crocodiles, encore moins. J'en ai pas rencontré beaucoup hein, sur là, mais j'ai eu l'occasion de perdre une bestiole. Donc voilà, non, pas les marais. Donc les marais, c'est les trois îles au milieu, on est d'accord. C'est les trois îles. Vers là où. La maman, vous voyez ma main là? Vous la voyez là? Ah, bref, bon. C'est les trois îles en 40-55, quoi. Il y a celle du milieu, celle d'au-dessus et celle d'en dessous, quoi. C'est ça, non? Je crois que c'est le marais, tout ça. Je suis pas sûr. Ah non, je crois que celle d'en dessous, c'est pas les marais. Je crois que c'est les deux qui tuent. Enfin bref, je sais pas. Je connais pas encore la map. Bon, je connais pas trop. J'ai pas regardé de live et tout. Pratiquement pas. C'est assez nouveau quand même. Hein. Très nouveau pour moi. Le biome neige, c'est mort. Déjà, je trouve que c'est moche. Ça ressemble pas à un biome neige. Et il fait froid. C'est juste un caillou avec de la neige, quoi. C'est pourri. Enfin, perso, je trouve ça. Je trouve que c'est ça. Le centre, c'est nul parce que. Bah, il baisse d'FPS tout le temps du bruit. Donc, avec les bestioles en plus et tout, au niveau FPS, c'est peut-être pas top top. Bon, ils jouent en low, quoi. Hein, on est d'accord. Déjà, vous avez une qualité de merde. Hein, si je baisse encore mon qualité de jeu, vous allez tous vous enfuir. Hein, des jeux comme ça, quoi. Il y a moyen de s'enfuir. Je regarde une rediff, je pleure presque. Sur Empathie, je me suis installé en 30-50, près de tout, ou presque, et en dehors du biome marécage. 30-50. Ok, donc c'est à l'ouest, tout à gauche de l'île du milieu, quoi. Vraiment au centre de la map, ok. Mais c'est ce que j'ai pensé, parce que, ok, il y a les gros biomes, il y a des grosses zones différentes, volcaniques et tout, maintenant. Mais je me suis dit, dans ces zones, peut-être un petit havre de paradis où t'as un peu tout quand même autour, quoi. Donc là, déjà, 30-50, j'irai voir. J'irai voir après. Fond de la crique, en gros. Hein. On va voir ça. On va voir ça. Mais après, voilà. Donc le centre, non. Les îles neigeuses, non. Les îles du milieu, peut-être. JVG nous a donné peut-être un tuyau. Les petites îles, non. Pour l'instant, avec Poca, on était vachement chaud pour quelque part dans le biome Redwood. Parce qu'en fait, c'est assez aéré quand même. C'est certes de la forêt. C'est joli. Et on a quand même un sacré paquet de territoires à explorer à partir du biome Redwood, à terre. On peut aller tout à droite de la map en bas, tout à gauche monter, on peut aller au biome neige, on peut aller au centre. On a quand même accès à presque tout. Après, voilà quoi, si on va aller au marais et tout, je sais pas si un pont serait possible, je sais pas la distance, faudrait regarder. Les grands ponts, j'abandonne, mais. S'il n'est pas trop grand, que c'est possible, pourquoi pas. Un pont et hop, on pourrait accéder à presque toute la map, à part l'île volcanique. Ça pourrait être pas mal. Forêt rouge, il n'y a rien à chasser. Ah ouais? Très calme zone. Ouais. Ben, on va aller voir, on attend qu'il fasse jour. En tout cas, on a quand même assez cogité. Faudrait qu'on s'installe, hein, parce que là, on n'est pas installé, on a tout le bordel et voilà quoi. Faudra faire une base et après rapatrier tout ça quoi. Et les bestioles qui sont là quoi, elles attendent dans l'arche de Noé. Je me suis jamais amusé à aller. C'est joli ou waouh, on se croirait dans Star Wars. Vue d'ensemble comme ça, c'est dommage, j'ai du brouillard. Ouais. Il y a un loot bleu là-bas, je vais aller chercher le loot bleu. Faut voir, on va voir. À défaut de trouver le Tapajera, si on le trouve pas, on ira voir ça. Ah, il y a un loot bleu là, lol. Il est 1h du matin. 1h du matin. On va prendre les deux loots bleus, le loot vert. Ah, le loot vert, il est dans l'eau, je crois. Dans l'eau, je veux pas. C'est mort. On m'a dit qu'il y avait un espèce de kraken. Poca m'a dit ça. Ouais, il y a une espèce de pieuvre, la kraken. J'appelle le kraken, moi. Oh, le Tapajara, c'est 150. Fais-moi voir ta trogne. Si... Non, il a pas l'air rose. Enfin, je crois pas.
Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est un 35, je crois. J'avais vu aussi. Ah non, level 2. C'est carrément pas lui. Je croyais que c'était le 35. Il était violet, vert aussi. Bref. C'est pas le même. Ah bah l'autre, il a dû se barrer. Hein. Il a dû se barrer de l'île, là. Clairement. C'est pas grave, hein, tant pis. De toute façon, on le retrouvera là, aux alentours. Hein. Qui sait? Là, j'ai vu un cadeau là-bas, je crois. Bon. Je cherche pas trop les cadeaux parce que j'ai peur. Hein, ça me rappelle les souvenirs, hein? Non. Ça vous rappelle rien? Quand j'étais perdu en Ptera à cause des cadeaux. Perdu dans le biome neige qu'on ne voyait pas. Oh, une pioche verte. Oui. Est-ce qu'on peut le prendre? Y a rien de trop dangereux là. Je vais pas me faire croquer les miches. J'y vais ou pas? Peur, hein. On va y aller, mais franchement, j'ai pas trop confiance. Oh. Ah ouais, c'est quand même profond en fait. Hein. Je sais pas. J'ai peur. Plus c'est un truc vert, c'est pas non plus top top. Hein. Allez, je tente. Je fais le fou. Ah, je sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Oh putain, il fait froid. Ouais, il y a des trucs en bois. Loupé. Je l'ai eu. Structure en bois. Je vais les jeter, je crois. Non? Certains trucs, ça peut être utile, mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh. Ah, il va pas un cadeau là-bas que j'ai loupé? Bah, bref, tant pis. Bah, par contre, celui-là dans l'eau, c'est mort. Ah, il y a trois cadeaux là, c'est bien ça. C'est bien ça! Dépêcher avant qu'il fasse jour. Je vais pas aller dans le biome neige. Si j'ai glaçon, je recule direct. Je hein? On va pas se faire avoir. Faire gaffe au gigano aussi. Hein? Hein? Quand même. Pas me faire avoir. J'ai pas envie de perdre Radaro. Hein? Clairement pas. Clairement pas. Oui, Kadama! Du ouh! On est tellement content de du ouh, quoi. C'est qu'on s'en bat les noix à la limite quoi. J'ai entendu un bruit bizarre. Vous avez entendu ce bruit bizarre? Moi, je me demande. Est-ce que je tente de. Et j'ai vu un Spino 140. Il était même d'ailleurs près d'ici, par là. Il est peut-être avec lui. Spino 140, je me dis putain, sur Valhalla on galère à trouver des 100 plus. Et là un Spino 140, lui c'est un level 7 je crois. Mais il était ici je crois, près de lui. Je crois qu'il était avec lui. Ah, il était là-bas sur le trill je crois. Ah, Gigano. Ouais. Non, il était là, je crois. Oh, bref, on s'en fout. De toute façon, ouais. Faut pas que je pense à tamer trop en fait. Je suis gourmand parce que sur Valhalla, il y a beaucoup de bestioles, c'était quand même assez rare. Beaucoup moins de bestioles, donc vous serez habitué à avoir beaucoup de bestioles là. Ouais, mais c'est du foutage de gueule là. Foutage de gueule le blueprint de bocal là. Ça on peut pas chercher. C'est dans l'eau. Dans l'eau, lolo. C'est mort. Ah, je trouve c'est mort, c'est trop profond là. Bonjour Coca, t'es caché? On entend un bruit. Bonjour. Non. Elle nous entend pas. Elle nous entend pas ou... Elle est timide.
Didier Ouais, est tu montes content. peut-être, c'est bon. On t'entend faire des bruits bizarres avec ton clavier là. On est en direct, t'es en train de taper sur ton clavier en mode avec ton index. Mode vénère. Tu lags encore? Lagation? Ouais, je l'avais encore. Triste, c'est la merde. Tu vois pas le live, c'est ça? C'est triste. Ouais. Oh putain, le bait. Je vois juste le chat. Je pense que je vais aller au biome Redwood pour essayer de zioter déjà un peu. C'est pas un endroit joli. Après, faudrait voir. T'as pas de gira 150, je ne l'ai pas retrouvé. Il a dû se barrer de l'île. L'enfoiré. On pourrait habiter dans une crique, ça peut être sympa aussi. Ouais, faudrait voir. Bon, on va voir ça dès qu'il fait jour. Je préfère attendre la journée, on verra mieux. Salut cheveux, ça va bien? Bon. Je préfère attendre le jour. Déjà à cause du froid. Ouais, et cette île, pareil, c'est une île brûlée là, donc ouais, c'est mort. Je me souvenais pas. Ouais, y a pas énormément de choix, je trouve, pour l'instant. Enfin, de choix, il doit y en avoir plein, mais au niveau des biomes et tout, pour l'instant, c'est un peu restreint, quoi, parce qu'on connaît pas la map. On n'a pas encore trop d'idées, quoi. Ouais, les petits îlots, c'est chiant, quand même, on est d'accord. T'es sur un îlot, tu fais le tour, au bout de quelques centaines d'heures où t'es sur l'îlot, t'en as un peu marre, quoi. Hein? Déjà là, j'en ai presque marre de l'îlot. On va voir un peu plus. Pas le choix. L'îlot, c'est nul. Nul. C'est nul. Bon, après, je pense qu'il y aura moyen de faire des ponts. Hein. Ouais, ça va, ça va. Stream toute la nuit, je sais pas, je veux. Le but, ce serait pas de streamer toute la nuit, mais faudrait que j'essaie de me recaler de jour. Là, je suis calé la nuit, ça fait chier. Ça m'a fait chier. Je sais pas. C'est compliqué. Et 21h, non, je pense pas streamer toute la nuit. Y a pas mal de coins déjà prêt pour s'installer avec des ruines déjà là. Il n'y a plus qu'à poser les murs et portes et des escaliers et tout. Ah ouais, ouais j'avais vu ça, ouais. Ah ouais, ça peut être pas mal aussi, j'avoue. Ça, il y a sur l'île ici, là, je crois, c'est sur cet îlot là, il y a des ruines. Je suis même sûr, j'avais vu des ruines. Moi, je sais pas si c'est les meilleures. Est-ce que je peux chercher le rayon violet là? Faut faire gaffe là-bas. C'est quoi qu'il y a? Allosaure. T'as les allosaures, il faut des œufs d'allosaure, il faut des œufs de tout quoi. Salut, bonjour les arrivants, bonjour à vous. Ça a avancé le château? Ah, le château n'a pas été fini totalement. Ouais, je vais me faire buter là. Putain, il y a masse allosaures là sur cet îlot. Sur cette île. C'est ouf. Il y en a 6 là. C'est incroyable. Sur voilà, là j'en voyais 3. Je suis là. Putain, d'allosaures! Oh le grand Quentin! Coucou tout le monde. Hello, just smile. Bonjour à tous. Bien. Voilà, là, en fait, on a déménagé du coup. C'était pas fini. On était obligé de déménager parce que la map n'était plus mise à jour. Et voilà. Du coup, dans les temps forts, il y a un stream sur Valhalla. Car ça dure 45 minutes, le temps fort de 45 minutes. Non, je voulais laisser une trace quand même. Je voulais laisser une trace pour ceux qui demanderaient justement. Bon, la qualité est encore plus pourrie que d'habitude parce que bon, je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas, ma qualité en ces jours-ci là. J'ai le nouvel OBS depuis. Avec le nouvel OBS, je trouve c'est moins bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous vous souvenez par rapport à avant, il y a longtemps, j'ai l'impression que c'est pire. Donc, je sais pas quoi faire. J'ai peur. Je le sens pas trop ce coup-là.
Ouh, j'ai bien fait. Je crois que j'ai bien fait de le chercher, ce rayon. On n'a plus de blueprint, plus rien, alors il faut qu'on se stuff de vol. Un point très sympa, mais il faudrait le retrouver. C'est une grotte tout en cristal, sérieux là? Comme les autres ruines, il n'y a plus qu'à poser les portes. Et super, on entre. Ça serait bien un truc à juste poser les portes. Déjà, ça ferait moins de structure à charger en plus de la map. Je sais pas si ça peut aider au niveau des FPS. Et pas beaucoup de ressources requises. On place une putain de porte en métal, gigano fuck. Hein? Et voilà quoi. Et on peut déjà ramener nos bestioles, la plupart du moins. Franchement, c'est intéressant. T'en penses quoi, Poka? Hein, Poka? Poka! T'es mort? Les structures par rapport aux grottes sont pas affaiblies. Non, Genre la porte ça se casse qui pas. serait à l'entrée de la grotte, elle serait pas considérée Ah. dans la grotte? Non, mais si c'est du métal, le gigano peut pas la péter. Tu vois ce que je veux dire? Justement, je demande, Ouais, bah c'est ouais. pas considéré comme un dans la grotte, du coup c'est pas affaibli, c'est Bah sûr. justement, ça pète deux ou trois fois plus vite, vu que c'est une grotte, ok. Mais comme on est en PvE, à part des gens, personne pourrait la péter, quoi, dans le sens. Non. Oui, non, mais j'ai pas peur des gens, c'est pas ça. Je me dis, est-ce qu'elle sera toujours considérée comme une porte en métal, le fait qu'elle soit à l'entrée Oh, de la grotte? je pense. Je pense. Non, parce que le gigano, si c'est affaibli et qu'il peut péter la porte, voilà. Hello, ouais, pour la base, c'est retour à zéro, ou presque, dans le sens où on a toutes nos bestioles, je répète, dans la borne. Et en fait, j'ai fait l'inventaire de tout le stuff qu'on avait. Déjà, j'ai repris des. Bah, les vaults que j'avais farmés. Perso, j'avais pas la foi de refarmer le métal pour des vaults. J'ai quand même 3000 heures de jeu, alors que j'ai quand même. J'ai faibli hein, dans mon envie de jouer. Donc voilà, on a repris notre stuff avec les vaults et on reprendra les machines, les grosses machines avec. Les keyballs, les œufs, je vais les reprendre aussi. Je les ai notés encore, j'ai ça sur un cahier. Mais voilà, je les ai pas encore ramenés, ça sert à rien parce que je veux pas tamer là. Parce que j'avais ramassé masse œufs, vu qu'on a pu le ramasser pendant un moment, j'avais ramassé des œufs pendant masse temps. Et là, pas possible, je recommencerai pas. Et ce serait trop long. Trop long. J'avais 300 keyballs, parfois c'est 300, 400 keyballs d'un truc quoi. En mode. Ramasser des œufs, je faisais des keyballs quoi. On était des cinglés de la keyballs. Donc voilà, on en est là. Mais bon, il y a quand même du taf hein, parce qu'on a plus de base, ça c'est vrai. Et du coup, on cherche là. Après, faut voir si t'arrives à retrouver la grotte, ça pourrait être sympa. On va partir. Ouais. Ouais. Bah par contre, Original comme lieu. je vais. Putain, casque chitine vert, c'est pas mal. Moi, j'ai dit entre la crique et la grotte, ouais. Bon, on y va, allez hop. Allez, on y va. On va aller voir en 30-50. Là, ce rayon il est posé, ok, on y va. Si t'as pas de Gera level 2 là de merde qui reste là. Je sais quoi, je crois que c'est le 150. Putain, il est là! Il est pas là. Il est pas là, tant pis, pas de chop. T'as pas de Gera, je crois pas que ça va être possible aujourd'hui. Je crois qu'il a disparu. On sait pas quelle distance ils peuvent parcourir les t'as pas de gérer ça le problème. Ouais. L'arc, je prends, mais les flèches, je prends pas en amas. L'arc, on en a plus. Zéro. Net, nada. Donc en 30-50, il va dire notre ami PVG. 20, 30, 50, c'était bien ça. Ouais, 30, 50. Donc c'est l'île du dessus, la crique. Ok, je la vois. Ok, donc c'est cette île-là. Allons voir. Le cristal n'est pas plus destructible que les arbres de la forêt rouge. Et pourtant, ce sont des arbres comme les autres. Ok, d'un côté, je comprends, car il y avait beaucoup d'heures de jeu, ça fout les boules de tout part. Ouais, bah oui, parce que bon, le but c'était pas de partir, hein. On était obligé de déménager. Vu que Valhalla n'est plus mise à jour, je sais pas si c'est le courant. C'est le bordel, quoi.
C'était le bordel, on avait plus de FPS, on faisait que cracher, c'était horrible. Ah non, c'est pas cette île-là. C'était horrible niveau stabilité de la Est-ce map. qu'il y a d'énormes bugs sur la map la map de Santa? Bah moi j'ai des bugs de latence perso. Parfois j'ouvrais un coffre ou me posais ou décoller avec mon oiseau, ça met 2-3 secondes. C'est bizarre. Alors que les premiers jours c'était parfait, il n'y avait que dalle. Là niveau FPS je suis à 50. 40, 30, 60. De 30 à 60 FPS. Est-ce que c'est pas ceux qui fournissent le serveur? Non, je suis à 22 ping, 19. Non. 19 de ping. Ça peut pas être beaucoup mieux. Hein. 19 de ping, c'est très bien. Je sais pas. Je comprends pas, justement. J'ai demandé avant. Je sais pas. Hello, vous recrutez dans la tribu. Robin, hello. Non, on recrute pas dans la tribu. On ne recrute pas. Ouais. Bah, on y arrivait là. Elle a crié qu'on y arrive. On va voir. C'est là? Est-ce que c'est là? C'est ça, non? Ou pas? Merde, j'ai enlevé. Perso, je vois pas le stream, je sais pas. Mais non, mais je te C'est demande. pas à moi Je de te demande répondre. pas à toi, Poka. Je me pose la question à moi tout seul, j'ai envie de dire. C'est ça? Après, la map de Ark est toujours buggée, ça c'est un peu la merde. Est-ce que c'est ça? Est-ce que. Ouais, je sais pas. C'est pas dans les marais, j'avoue. Déjà, c'est joli. C'est ça, oui, ok. Et donc, il y a une grotte là, tu m'as dit. C'est une grotte tout en cristal. Ah, mais c'est là la grotte Non, quelque pour la part? grotte, il se Ouais. rappelle plus où c'est. Ok. Donc, c'est la crique là que tu penses qui est pas mal. Ouais, à voir. Pourquoi pas, c'est joli. C'est près du biome volcanique, on pourrait se faire une passerelle, possiblement. On a accès à quoi du coup d'ici? On aurait accès aussi, peut-être accès à l'île du dessous. Est-ce qu'on aurait accès par exemple au centre? Si on a accès au centre facilement en faisant une passerelle aussi, un pont, ça peut être pas mal. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on a accès à une île en plus, c'est-à-dire celle-là, quoi. Si on se met dans le biome Redwood, c'est pas le cas, quoi. Enfin, si on pourrait aussi faire un pont, mais bref, on se concentrerait pas dessus, je pense, sur cet objectif-là. Et là, par exemple, on pourrait déjà. Oh, voilà, il a le. La vrille, je l'ai fait quelques secondes avant, ça va. J'ai failli tomber dans l'eau à cause de ça. C'est bizarre. Donc, du coup, déjà, ça relie à ça. C'est vraiment bien. Oh, il fait froid, fais gaffe. Le biome neige, il est juste là-bas. En gros, tout est plus ou moins relié en fait. C'est relié quoi. Ok, je savais pas. Sur la map, on croit pas, mais c'est relié. C'est relié. Putain, il y a des serpents là. J'ai horreur des serpents. Ok. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. Je sais pas où on peut se poser. Après, ouais. On va voir au biome Redwood aussi. Ah, le Spino, c'est pas le 140 là. C'est pas le 140. Ah non, c'est un level 20. Oh, je crois. Il a disparu aussi, je suppose. On s'en fout. De toute façon, on s'en fout. Mais moi, je serais bien d'avis de mettre un endroit où il y a des ruines là, comme t'as dit. JVG. Faudrait trouver des bonnes ruines où on a vraiment de la place. Après, faut voir si c'est joli et si on a accès à pas mal de choses. Mais moi, dans ma tête, ça me tenterait bien. Parce que rapidement, on pourrait se refaire une base. Juste à mettre des sols pour mettre toutes les machines, les vaults et tout. Tac, 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 et voilà. L'inconvénient, c'est que les grosses bestioles, tu peux pas les caser dans tes ruines. T'as vu les. Enfin, moi, j'ai vu les escaliers et. Franchement, c'est chiant. Pas, faut Tu voir. dois monter et descendre les escaliers avec tes grosses bestioles.
Ah, faut voir, je sais pas, je sais pas, je sais pas comment c'est gaulé, moi. Ah, il rentre là. Ah, dodo qui est perdu. Il a dû s'envoler jusqu'à là-haut, le dodo. Après, c'est quand même pas trop plat, hein, si c'est vraiment ici. Ça vole pas un dodo. Ouais, bah oui, c'était pour rigoler, quoi, hein. Un peu de boulot, quoi. Ouais, je sais pas. Bon, on va aller vers le bien Redwood. Je vois. Tranquillement. Sans se presser. C'est le biome volcanique. C'est quand même. Ça manque de place, je trouve, moi. Je sais pas. Ouais, tu peux faire ça sur la crique, tu peux faire la base sur l'eau quoi en fait, piloter et tout, ouais. Ce serait plat, mais pour caser toutes nos bestioles. Après, je pense qu'on va pas faire mettre toutes nos bestioles au même endroit parce que niveau FPS ça va nous être la merde. Le but ça serait peut-être d'avoir 2-3 endroits, je sais pas. Pas trop trop loin non plus, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Poké? Je sais pas. Moi je pense que tout mettre au même endroit c'est quand même dommage que maintenant on peut tu vois refaire un truc et tout, n'est pas obligé de tout ramener en même temps les bestioles tu vois, enfin je pense c'est pas la peine, j'essaie d'avoir une base et avoir l'essentiel et pouvoir farmer tout ce qu'on veut. Quetzal, on va regarder le level quand même, on sait jamais. Salut Quetzalus 35. En fait, c'est pas forcément les marais ici, quoi. Ouais. Je pensais que c'était vachement marécageux, mais non. On va voir. Dépasse tranquillement. Regarde, on observe. C'est joli en tout cas, ça va. Marais, je sais pas où ils sont exactement les marais en fait. C'est ça le délire. Solidarity derrière. Ah, qu'est-ce qui se passe? Soi-disant, je suis offline. Il y a quelqu'un? Soi-disant, mon stream est offline. What the fuck? Ton stream a crash? Ouais, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas crash? Non? J'en sais rien, moi je vois pas. Je te dis juste que t'es pas, en tout cas sur le vocal, t'es plus en stream. Ah pourtant non. Je comprends rien à ce jeu. Ah ce... Non je n'ai pas crash, ok. C'est bizarre, c'était sur Twitch, ça me disait que j'étais offline. Et même sur, sur le Discord, bref. Merci pour l'info, j'y vais. Mais j'ai vérifié, ouais, j'étais encore là. On comprend tout à fait Twitch. Twitch part en latte quand même souvent, on le sait. Niveau 15. Et il est beau celui-là, hein, t'as pas de Gérard. Putain, il manque un 0. Moi, j'aimerais bien les voir quand même au biome Redwood. Redwood. Parce que si on se met Je au... peux enfin voir le stream! Ouais, bravo. GG! On dit tous GG Poker, ouais. les connexions internet seulement. Moi aussi, je suis triste de ma connexion pourrie. Je Vraiment. décore quoi du vocal. Ouais. Chut. Ouais. Un lit et tout là, peut être utile. Quand j'ai déjà jeté les trucs là de merde là, ça. On s'en fout, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ok. Bon.
Comme on a dit, on va aller voir Biome Redwood tout en passant par là. C'est délicat quand même. Mais après, une ruine, comme dit, ouais, ce serait bien de faire sa base dedans, mais il faudrait que ce soit spacieux quand même. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ça peut ressembler. Il faudrait qu'on regarde, qu'on en trouve déjà. Ah là, il y a des ruines là. C'est ce que mon oiseau il lag là. En fait, cette map elle est pas non plus top top. Hein. Comment c'est que j'ai donné un coup alors que j'ai même pas tapé? Je comprends pas ce jeu. Cette map est quand même assez buggée, je crois. Voilà, c'est pire. Ah, ça reste arc quoi, en fait. On va pas se plaindre. Ça reste arc. Ouh, ici, attention. Ah oui, ici ça peut être pas mal. Hein. Oh putain. Franchement, ça me tente, c'est joli et tout. C'est assez spacieux. Après, ce qui fait chier, c'est que c'est vachement en pente. Mais bon, là il y a un endroit vachement plat quand même. Ok. Pour faire des espèces de séparations. Hein? Pourquoi il s'est posé? Mais ce jeu il délire. Je me suis pas posé. Ouais, tu peux plus monter dessus. C'est quoi ce jeu en fait? Pourquoi? Mais n'importe quoi! What the fuck? Ce jeu il m'énerve. Ni queue ni tête quoi! Ni queue ni tête ce jeu, sérieux, il commence à me saouler. Hein. Je vais un jour, je quitte le jeu, je crois, total. Faut qu'ils se mangent le cul les développeurs là. C'est de plus en plus bizarre, j'ai jamais eu des bugs comme ça. Mon oiseau il se pose et je peux plus monter dessus. What the fuck? Ça m'énerve. Bon, on va pas s'énerver, mais ça m'énerve. Scorché d'herbe, hein, merci. Hein. Merci de se concentrer sur un truc qu'on a rien à battre. La plupart des joueurs arc, je suis sûr qu'ils s'en battent les couilles de Scorché d'herbe. Rien à voir avec arc. Désolé, c'est de la merde. Bref. Ne nous énervons pas. On veut de la joie et de la bonne humeur. Allez. Et là, c'est super plat aussi. On pourrait prendre cet endroit comme aussi pour notre base. Il faudrait construire un peu là. C'est super plat ici. Pour l'instant, moi, je suis partant pour ça. Mon Poké, elle voit pas, c'est dommage. Mais je lui montrerai, je lui montrerai. En plus, là, on pourrait faire un truc en hauteur stylé et tout, une espèce de tour là. Point de visu. On a un rayon bleu pas loin. Ah, il y a deux pops de rayon pas loin. La borne n'est pas trop loin. Elle est pas trop loin quand même. Faudrait faire un truc avec un bateau, je pense, je sais pas. Après, je sais pas. Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Très belle cave en 36, 34. On va essayer d'aller voir. J'espère que je meurs pas. Les caves, il y a beaucoup d'ennemis, non? On peut se faire des pop. Les brochets, c'est méchant ou pas? Je me souviens plus. Moi, ça pixelise. Oui, bah c'est le live qui pixelise, non? Il est pourri du cul, le live, non? Juste voir. Je vais juste ramasser ça, tout ça. Je vais regarder vite fait, c'est pas. Ouais, les brochets qu'il y a là. Je sens que je vais mourir. Je sais pas pourquoi. Oh wow. Putain, pour un tuyau quoi. C'est quoi? Un raptor. C'est ballot. Ça va.
Ça, je vais regarder quand même, mais. Je regarde. Se mettre là. Non, je vais pas mettre là parce que je sens déjà le coup foireux. Avant mon perso, il a sauté tout seul, Luptera, donc. Et si ça arrive et que je meurs, je rage quitte, hein, je vous le dis clairement. Je rage quitte et je crois que je vois même plus ce jeu. Ma patience, elle a des limites là. J'étais patient avec ce jeu, mais là, je commence à saturer. Ouais, il y a des allosaures. Ouah, regardez ça! Une tribu d'allosaures, quoi! What the fuck? Il y en a 6! What the fuck? Bon, on va pas se poser là, du coup. Choqué, les 6 allosaures, là, j'aimerais pas me confronter à eux, là. Ça va faire mal. Ah, mais faites pas chier, quoi. On peut se poser nulle part en fait. On peut se poser nulle part. C'est hostile, ça sonne ça. Trop de bestioles, fou. Trop à mon goût. Je regarde juste la qualité. Oui, c'est pixelisé, hein, c'est moche, hein, on sait. C'est pixelisé, c'est très moche, hein, comme d'hab, quoi. Ou pire que d'hab, je sais pas. Faut mettre un petit écran, quoi. Un écran tout petit. Là, tu te mets à 18 mètres et ça passe. Un grand écran, c'est presque pas regardable. Puis le chat de côté, à environ 1 mètre, ça passe quoi, franchement. Ça passe. Mais bon, voilà. On sait que c'est moche, malheureusement. Payez-moi une fibre, putain! Vous me payez les travaux pour emmener la fibre jusqu'à chez moi là. Oh bordel. Si vous êtes triste, pensez-y. Ça me fera plaisir. Putain, je suis tellement content d'avoir la fibre. Peut-être pas avoir la fibre, mais avoir au moins une bonne coque quoi. Qui passe quoi, une coque qui passe quoi. Bon allez, où tu nous as dit là? Je sais plus où je suis du coup. Là. On va juste prendre un peu d'altitude, me repérer. Ok, je suis là. Ok. Pour l'instant, les ruines là-bas, c'est pour moi, c'est les meilleures. Super belles. Tu m'as dit en 34, en 36, 34. Je suis sur le jeu. La grotte en question est dans l'île volante. Une fois que tu as posé une ligne de mur, tu ne crains plus rien. Plus du tout la faune ambiante. Voyons, tu es en l'air et il faut construire un pont. Ouais, ça peut être chiant, surtout si tu prends les bestioles en follow et qu'elles tombent et tout. Moi, j'aimerais pas trop en fait. Je vois déjà les trucs chiants. Faut faire un pont super large alors. Je sais pas. Faudra voir, mais même près du centre, les FPS, à mon avis, c'est Bagdad. Hein. L'eau et tout, le bruit, je sais pas. Je sais pas. Peut-être on l'entend pas le bruit et les FPS, y a pas de chute peut-être. Chute d'FPS, c'est que tu dis. Attends, c'est où? 36. Ok, 34. Ok, donc c'est celle-là. 36. 34. Ah ouais, c'est vraiment près du centre, quoi, ouais. C'est dans le centre, quoi, lui. Il est où le centre déjà? Il est où le centre? Je veux pas le biome neige, hein. Faire gaffe. No biome neige, no. Rayon blanc, on s'en fout là. Là, il y a une ruine, mais bon, il n'y a pas grand-chose apparemment. Alors. On s'approche, hein. 36, 34. Ouais, c'est vraiment c'est sur l'île flottante là ouais. Ok, je vois. On est en train d'aller tout droit dessus là. J'espère qu'il fait pas froid. Je pense pas. Il devrait pas. L'image a l'air de meilleure qualité, mais je dors toujours. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais mon live aussi. Je pense que ça vient de ma connexion.
pas. Après, mais en petit écran, de toute façon, tout le temps, mais pas grand écran. Ça devrait être interdit, le grand écran sur ma chaîne. Ça se fait pas, quoi. Avec le chat de côté, comme dit, assez loin, ça peut passer, quoi. Ça peut passer. Sinon, ouais, c'est moche. Alors, c'est quelque part par là. Est-ce qu'on va trouver, ça c'est la question. Prendre sa stam là par contre. Donc c'est sur l'île. Est-ce que c'est à la surface? Est-ce que c'est en dessous là? On va essayer de voir, on va tourner. Est-ce qu'elle est là-dedans? Je pense pas que je vais faire tout le tour, je vais revenir là. Est-ce que t'as vu Poca avant la ruine? Non, j'ai rien vu. Il y a un endroit, franchement, pour l'instant, moi je suis vachement. Je verrais bien la base là-bas pour l'instant. Non, pour moi, ça rigole, je suis carnivore là-bas. C'est pas grave. Mais après ça serait bien pour une base avec des oiseaux hein. Parce qu'avec Poca on voulait déjà faire ça sur Valhalla mais on l'avait pas fait sur l'île flottante là, l'île du milieu, ce serait bien pour les oiseaux limite. Mais après ouais, je sais pas, à cause des cascades, les FPS et tout. Pour Poca je sais pas si c'est le top, même pour moi hein. Je sais pas. Bon après là ça va, j'ai 40, 50, 30 FPS, entre 30 et 50, soit jusqu'à 58, 60, 60, ouais. Ouais, ça peut passer, mais faut voir, je sais pas. C'est où, c'est où? C'est là-dedans? J'ai pas l'impression, non c'est pas là, c'est rien, y a rien. Je sais qu'on me crache. Pas où elle est la grotte, mais... Instant, ouais, c'était des ruines qu'on a vues avant Poca avec un grand escalier tout arrondi, c'était vachement joli. On pouvait fermer l'endroit vachement facilement avec des portes, je pense. Et bon, c'était pas super plat, il y avait quand même un endroit plat. Par contre, juste à l'extérieur de ces ruines, un endroit super plat et vachement grand qu'on pourrait aussi inclure dans la base, tu vois. Si on veut faire ça là-bas, faudrait que tu vois. Tu donnes ton avis et que tu oublies. Ah, c'est cette grotte là que tu me dis là. Les JVG, je crois. Et franchement, moi j'étais vachement ouais, enthousiaste. Je suis vachement enthousiaste. Après là, c'est joli hein, la grotte là, j'avoue. C'est celle-là que tu parles, je pense. Mais. Ouais. Vachement sympa en tout cas. Ici, c'est joli aussi. C'est super joli quoi. Ouais, clairement. Pourquoi pas? Je sais pas, après il y a des carnivores comme t'as dit, mais bon, faut fermer la base, hein. Faut fermer tout quoi. Après c'est super vaste, ça peut être pas mal. Pour, hein, pour les FPS. Bon, il y a des Argentavis. Ce serait quand même un sacré boulot, ce serait titanesque quand même le boulot. Hein. Parce qu'il faut fermer, fermer, parce que les Argentavis reviendraient du ciel aussi. Donc faut fermer, fermer de partout quoi. C'est compliqué quand même. Mais c'est. Si t'arrives à prendre toute la grotte là, c'est super joli, c'est vaste. Hein. Là on aura la place pour les bestioles, ça c'est clair et net. La place c'est plus que de place. Et s'il n'y aura pas trop de pertes d'FPS par rapport au l'entassement des bestioles au même endroit. Pourquoi pas. On garde ça en tête aussi. Fais pas chier toi. Avec les champignons verts et tout, moi j'adore. Bon, en tout cas la base, je pense que ce sera une base moderne. By Poca. Sur Valhalla, c'était plus ou moins mon trip, le château fort. J'ai kiffé. On voulait toujours faire un truc moderne sur Valhalla, mais alors, on voulait faire tellement de choses, de toute façon. Et du coup, là, bah, pour la base, hein, vu que Poca a pu faire son truc moderne sur Valhalla, bah, du coup, on fera une base moderne direct là-dessus. Même si des ruines à côté, on s'en pète. La base, voilà.
faire une espèce de une base, même s'il y a des ruines à côté, voilà. On s'en fout, ça change pas, non. Non. Bon. Bon, pour l'instant, je suis quand même plus partant pour la première possibilité parce que c'est moins, il y a beaucoup moins de taf et comme dit, là, faudrait qu'on pose nos bestioles rapidement, sans trop se faire chier. Après, ce qui pourrait être pas mal aussi, comme je viens de le dire, peut-être on pourrait mettre les oiseaux, comme là-bas, la base là-bas pour des oiseaux. Plus tard, quoi. Mettre les quetzals, les, enfin, peut-être pas tous, mais le plus gros des oiseaux et dans notre base principale, on aura quand même nos oiseaux utiles, quoi. Après, voilà, on a plein de terrain, on a plein de trucs. Ça serait une bonne solution. Ton bon scope, ok. J'en pense, j'en sais Grotte, rien. t'as pas trop vu? Ben non, j'ai pas trop vu vu que j'ai le Sanity Drop donc. Ouais, faudrait que je t'envoie des photos offline. Offline. Photos. Non, mais je vais quitter Vocage, je vois, ça me gênerait Bah, peut-être de test. prendre ça. Test, sinon, bah, t'as envie de revenir, reviens. Tu veux pas revenir, reviens pas. Tu vas te faire foutre. On rigole. Là. Rigole, copinari. Copinari, ça se dit pas. Je veux dire copinari, mais du coup, comme c'est pas un copain. Hein? Copinari, quoi. Rigole, copinari. 8e jour, hein, la petite référence. Cinématographique. Voilà tout. À toute. Si jamais, hein, vous voulez voir un très bon film, le 8e jour. J'adore ce film. Et pas parce qu'il y a un trisomique dedans, quoi. Enfin, si, je crois que c'est parce qu'il y a un trisomique que j'adore le film. Parce que je trouve c'est il est excellent. Il est excellent. C'est pas pour se foutre de sa gueule et tout, machin. Clairement pas. C'est respect, quoi, franchement. Respect, le mec. Malgré sa maladie et tout, tourner dans un film, il gère, il est marrant. Voilà quoi, je kiffe. Il gère, ah. Il gère, Georges. Il habite rue des Cerisiers en plus, vous savez. Ah, si vous avez pas vu, clairement, film, allez le voir, je répète. Le 8e jour. Il est vieux, hein, c'est un vieux film. Bon, il fait nuit, on va rentrer. Prochaine journée, on s'attaque au Redwood. Voir. J'aimerais bien voir si. Ouais, non. La nuit, on peut pas chercher le tapas de Jerry. De toute façon, il s'est barré de l'île, c'est pas possible. Pas possible. Alors. Tant pis. Pas de tapas de Jerry, je crois. Hein. C'est mort. J'aurais tenté de le tame quand même. Ça aurait été chaud, je pense. Sans cartouche d'art. Tranquilizer, là. Mais avec les bolas, peut-être que si j'en balance régulièrement, tac tac, une flèche dans la tête, bolas, flèche dans la tête, bolas, sans qu'il se renvole. Je sais pas si on peut envoyer une bolas sur une bestiole qui est déjà bolassée. Est-ce qu'elle est rebolassée avant de s'envoler? Ou est-ce qu'elle est obligée de s'envoler de nouveau, se détacher pour être rebolassée? Ça, je sais pas. Mais je vais tenter quand même. Et après, bah, le time, ça aurait été à la prime et à la viande, quoi. Oh, il y a une ruine là aussi, on va voir. Ouais, ça a l'air petit. Ça a l'air petit et. Non. Ce n'est pas une possibilité. Quetzalus. Niveau 5, waouh! Niveau 5, quoi. Oh, il fait froid. Il fait froid. Ah, ça va. Clairement le premier endroit, ouais. Je verrais bien la base là-bas, moi. Énormément de place quand même. C'est joli. Et le fait que ce soit en plusieurs niveaux, plusieurs parties, la zone à occuper, ça peut être intéressant. Pas tout mettre au même endroit. Parce que là, on avait un endroit super plat, on a tout paqué en mode, voilà, sans réfléchir. En même temps, on n'avait pas le temps de aussi, comme là, ramener nos bestioles en même temps. Là-bas, on l'avait fait en 2-2. Là, je voudrais peut-être plus qu'on réfléchisse avant de faire des bêtises. C'est qu'on soit là, on s'était posé et on n'avait jamais bougé, quoi. On n'a pas choisi notre endroit. C'était pas super joli, pratique, mais pas super joli. Bon, il y avait le château, c'est là, ça aurait été un des seuls endroits.
Un des seuls endroits, il y en a d'autres. Bon. Jugé, il écrit vraiment bien, ça fait un plaisir de te lire. C'est un plaisir. Bah moi aussi, hein. C'est un plaisir de vous lire quand vous écrivez bien. Ceux qui écrivent pas bien, je les banne. Hein. Non, on rigole. Hein. Après, j'en veux pas ceux qui écrivent pas bien. Mais... Il y en a qui ont des difficultés, peut-être, hein, aussi, avec l'orthographe. Mais ce qui me gêne un peu, c'est de parler trop en texto. Un peu, je veux bien et tout, mais des fois c'est trop trop. Et quand, bah. Toi, c'est un peu compliqué. Quand tu joues, tu parles et tu lis en même temps, tu regardes si ton stream va bien et tout, ça fait. C'est un peu embêtant des fois. Un peu. Quelques messages, ça va, mais si un mec il parle tout le temps comme ça m'embête un peu. Ah, je dirais, hein, mais bon, bref. C'est sûr, c'est toujours agréable de bien lire. Bon, après, de bien lire. Parce que. De bien écrire. Il y a de bien écrire, après moi des fois je lis mal quoi. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Bon, on va faire quoi pendant la nuit? Je sais pas quoi foutre pendant la nuit en vérité. On va ranger nos affaires déjà, hein, parce qu'on a pas mal d'affaires. On a chopé des blueprints. Blueprint de sel dans kilo. Bof, 35. Quand même. Bon, c'est toujours ça. On a des gants en chitine, blueprint. On va les mettre là parce que je sens que. On va s'en servir dans pas longtemps, la prochaine fois que je meurs. On a le casque vert, aussi on va le mettre. Hein. On va le mettre. Ça, ok, non. On va mettre ça dans sel. Ça, pour l'instant, on jette. Hein. Pas... On va mettre ça dans sel, si jamais je veux craft une selle. Il y a les selles des Rex de l'autre jour et des Spino, je les ai rentrés dans la bande nouveau. Hein, parce que Urax Alpha, on n'a pas pu le tuer, du coup, hein, je ne vais pas bizarrement perdre toutes nos bestioles. Je rentre un Ptera aussi. Non, je vais pas te. Faut aller dans le coffre construction. Accessoires, armes. Armes, j'ai quelque chose. Chose dans armes, oui, j'ai l'arc. Non, c'est accessoire. Voilà. Ça là, hop. Ça là, hop. Dans divers et dans construction, faut aller. Du coup, armure. Armure, on met l'autre casque là. Hop, hop, hop. Outils. On va mettre ça dans construction. Allez. Sparks powder. Le hou dans l'hiver. Espèce d'oiseau. J'ai fait le mangeoire. Fainéante. Bigleuse. La spark, elle est pratiquement tout au bout. Ou tout au bout, je crois. Tout au bout. Des fois j'ai des frayeurs quoi. J'ai dit frayeurs des fois. On a faim. On a froid. On a faim, on a froid. Viens là. Badaro. Pose-toi, c'est bien. Bon, Ptera. Ouais. Du coup, je vais regarder la map, putain. Donc on se réchauffe, on n'a pas vraiment le choix. Eh mais, question, le blueprint que j'avais avant, on me l'a revolé ou quoi? Avec les gants. Les gants. En poil, je les ai plus. On les a revolés, pourtant c'était pas marqué, je crois. Ouais, tant pis, peut-être. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu si c'est ça. On s'en fout, allez, hop. Tant pis. Hein. Quoi qu'il arrive, tant pis. Regardez la map de niveau. Donc, la première base, possiblement.
Un flocon qui se pose sur là. C'était l'île du milieu là en 40-60. Au centre, la grotte. Et apparemment, ouais, l'île. Regarde ton oiseau. Ouais, je crois pas. Hein. Non, non, non. Les îles sont quand même reliées en fait, là, celle du milieu. Pratiquement toutes les trois. Ouais, faut voir. Intéressant. On fait pas si froid que ça. Il ne fait pas si froid que ça. Cent cinquante, non, pas 50. Il y avait un 150 là. C'est toujours le même tapas, c'est ça? Je sais pas combien là. Non, c'est un niveau 2, ok. On va tourner un peu autour de l'île, si ça se trouve, on va le voir. On va le retrouver. Tapajara, ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Oh, t'as les brontos qu'il y a quand même ici. Salut toi. Brontos qu'il y a là. Incredible. Il y en avait 10 l'autre jour. Qui ont dû se faire bouffer par le Rex Alpha d'ailleurs. J'espère qu'il n'y en a pas un autre qui pop, hein, parce que là, je pète un plomb. Je pète un plomb. Est-ce que je peux aller comme... je sais pas si on va déjà au biome Redwood. On va y aller déjà. Même s'il fait nuit, tant pis. Il fait pas trop froid, ça va. J'espère. J'espère que ça va aller. Espérons-le. Espérons-le bien. Heureux. Redwood biome. Allons-y. Toi aussi, tu vois les drops, donc c'est que moi. Oui, bah j'ai l'impression que ça lag, mais pourtant je suis bien au niveau FPS. Je comprends plus ce jeu, moi. Le serveur il est bien, il a 20, 20, 22 ping. Non, je parlais du stream, moi. Ah, je sais pas. C'est possible, j'ai des pertes d'image, mais après je peux pas faire mieux, hein, clairement. J'ai des pertes d'image, mais est-ce que réellement ça drop? Je sais pas. Des fois il y a des pertes d'image, mais on s'en rend pas compte quand c'est petit à petit. Après c'est pas énorme, hein, mais après si je baisse encore la qualité du stream, bref, hein. Autant pas regarder quoi. Je crois. Ouais, je sais pas. Je sais pas si vous aussi vous avez des drops. J'espère pas.
Sinon, niveau qualité du jeu, est-ce que t'as baissé le truc des genres des nuages et tout? Enfin, vu que même quand t'enlèves le truc des nuages, t'as des nuages aussi. Mais ça me sert à quoi de changer, baisser la qualité? Je suis bien en Bah, FPS. peut-être que ça jouera sur le stream. Bah Non? vous verrez juste pas de nuages et les pixels sont toujours là, non? J'en sais rien. Ah, moi non plus, je sais pas trop. Je suis pas une spécialiste, donc je Admettons, peux je mets pas. mon jeu en lot. Bah vous verrez. Non, tu mets pas ton jeu en Non mais, lot. non mais. Admettons, laisse-moi parler s'il te plaît. Admettons, je mets mon jeu en lot. Vous verrez un jeu en lot avec une qualité de stream pixelisée toujours parce que j'ai une connexion de merde. Donc un jeu en lot avec une qualité stream pixelisée à cause du... C'est encore pire quoi. Non? Je sais pas, pour moi c'est ça. Hein. Au moins j'ai une bonne qualité de jeu. Mais vous avez des pixels de la connexion qui puent du cul. Ma connexion, je peux pas faire plus. Si je baisse ma qualité de jeu... J'aurai plus d'FPS, là je suis à 60, 80. J'aurai encore plus d'FPS, donc ce sera encore plus fluide pour moi, même si c'est pas fluide des fois, j'ai l'impression que ça lag. Alors que j'ai 17 de ping, ma mémoire vive du PC et ça va. Tout va bien quoi en fait. Mais. Je comprends pas, ce jeu est. Moi, je sais pas, continue à jouer en Ce jeu mémoire pue alors. du caca quand même, hein, on oublie, hein. Il pue encore du caca au niveau bug et tout, hein. C'est affreux. Bon, c'est toujours mieux que Valhalla, mais. Voilà. GTX 980. Mais bon. Apparemment, ça. C'est pas la vie, forcément. Bref. Comment. No comment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais baisser le jeu, vas-y, on va faire comme Pocali. Je vais mettre mon jeu en moyen. En élevé, allez hop, en élevé. Élevé, c'est déjà quand même bien. Voilà. Même pas, on va le mettre en moyen. On va tester, hein. Comme ça, on sera sûr. On va pas mettre en faible, hein, pas abuser. Hop, moyen. Hop, appliquer, sauvegarder. Là, on est en moyen. Là, je suis à 80, 80 FPS, 50, 60, 70. Entre 50 et 80, quoi. J'ai gagné des FPS. T'as oublié d'enlever Airbloom. Là, je vois les trucs cochés. Mais c'est parce que j'ai enlevé là. C'était avant. C'est à chaque fois que tu fais des pré-réglages, tu changes. Bref. C'est pour ça que je voulais pas le faire aussi. Il y a un effet de flou. Le flou, il est revenu aussi. Ouais, ça fait chier parce que moi, je dois refaire tout. Pourquoi t'as. Tu stream pas avec GeForce Experience? Je sais pas. Bah si je stream avec GeForce Experience, je serai pas sur Twitch. C'est quoi la blague? Je sais pas. GeForce Experience. Je sais pas. Non. Je stream avec GeForce Experience, je serai sur Twitch. Je peux streamer avec GeForce Experience sur Twitch. Ça me paraît bizarre quand même, non? Explique-nous, Romain. On va savoir. On va tout savoir. Alors, filtre. Il est où le flou là, de merde là? Ah, maintenant ça me fait chier. Flou de mouvement. Boum. On enlève cette merde là. Voilà. C'est la moitié, ça aussi, hop. Voilà. Ah oui, là j'ai 80 FPS. Là. Ça changera pas, hein, je pense. Oh putain, le cristal qu'il y a là! Non, j'ai toujours des petits lags dans le jeu, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que j'ai 80 FPS mais j'ai des lags dans le jeu? Tu peux m'expliquer? Quelqu'un sait? Quelqu'un comprend ce jeu? 80 FPS mais ça lag quoi. Ça. C'est cad. Je sais pas, je comprends pas ce jeu. Je comprends pas ce jeu. J'ai jamais compris d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Allez hop là, on joue parce que là, ça va me saouler vite fait.
Il y a une grotte là. Ah non. Bon, on est censé regarder un peu là. Je regarde à la rediff et je verrai si ça lag réellement. Il y a de la perte d'image, mais 1% de perte d'image, quoi. Pas non plus. Pas l'impression que c'est la mort. Ouais, il y a des risques de petits lags, ouais. Je préfère autant. Tu peux stream directement sur Twitch via GeForce Experience. Ah ouais. Et c'est mieux? Je connais pas. Hein. Je connais pas. Hein. Tu m'intrigues. Mais j'avais déjà pensé d'essayer de capturer avec, avec GeForce Experience pendant que je liveais et de mettre sur YouTube. J'avais déjà pensé à ça, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était même hier. Je suis en train d'essayer de voir et tout machin. Il n'y a pas photo. Sérieux? Ouais, je sais pas si tu le dis, faudrait que je vois, que je m'enseigne. Ce serait moins lourd pour ton PC peut-être. Enfin, c'est pas que ton Alors, mon PC PC il souffre, suit, mais... il n'y a pas de souci de PC. Un souci, j'ai mis le maximum, il taffe attaquer pour le live le PC. Je le fais taffer attaquer, le processeur il prend dans la gueule. Hein. Je peux pas faire mieux. Ça il est à 60%. Alors que si je mettais en normal. Au passage, il y a toujours les drops. Alors, je sais pas si ça vient de moi. Je sais pas. Non mais moi j'ai des petits lagouilles dans le jeu, même que j'ai beaucoup d'FPS, mais j'ai pas Non, de. moi, j'ai genre la recherche du stream pendant Ah quelques non, mais secondes non. et ça prend, hop, ça C'est pas prend plus possible. tard, hop, je me dis c'est Je bon, pense bah, pas, je c'est pense ça. que t'es la seule. À mon avis. La grotte là, est-ce qu'on pourrait s'installer? Non, ça a pas l'air top top. Hein. J'aime pas trop. Non, c'est pas top top, il y a la flaque d'eau. C'est pas super droit, c'est pas super large. Cet endroit là est pas top top à mon goût. C'est pour ça que moi j'ose pas trop dire genre ah ouais c'est ça là le stream ou quoi parce que je sais pas si ça vient de Non, moi je tu pense que vois. c'est Taco, je suis pas sûr, mais. Si quelqu'un voudrait dire à Poca, qu'est-ce qu'il en est? Ça serait gentil pour elle. Est-ce que vous laguez aussi sur live? Est-ce que ça drop? Il y a des pertes d'image, mais. Je pense pas que ça drop régulièrement, quoi. Que le stream doit recharger, ça me ferait bien chier. Qu'il y ait des lags, ok, mais. Il faut recharger le live, ça me ferait quand même vraiment chier. Vu le. Peu d'images de. Il y a quand même de la perte d'image, certes. C'est pas comme s'il y en avait toutes les 3 secondes. Quoi. 1%. Une seconde sur 100, quoi. À la limite, tu perds une seconde toutes les 100 secondes. Toutes les 1 minute 40, tu perds une seconde. Ah, c'est pas la mort, quoi. C'est chiant. Pas de lag. Ouais, cheveux dit qu'il n'y a pas de lag. Merci, merci, je. Ouais. Ouais, ça vient de moi. Biome Redwood, c'est pas l'air top top hein, non plus. Non. J'aime pas vraiment parce que c'est assez. Y a pas de bestioles, j'avoue. En plus, ouais. Comme il disait, y a pas rien pour chasser. Et c'est vachement pentu, le terrain irrégulier, je sais pas où il y a des zones plates. C'est Pas l'air joli, top mais top. peut-être pas pour une base, quoi. Compliqué quoi. Moi pour l'instant à premier endroit là je suis. Par contre les Bigfoot! Putain je voudrais mon Bigfoot un jour. Je pourrais chasser du Bigfoot, c'est bien ça. 85. C'est de la merde. Ouais. Mais c'est déjà mieux que sur Valhalla où t'en voyais pas. Ah oui bah oui clairement. Clairement. Il y en Bon. avait, mais la bête était tellement grande que de toute façon, on savait pas où il se trouvait. Après. On est quand même bien obligé de se poser quelque part rapidement, hein, parce que là, ça fait plusieurs jours qu'on est sur The Center. On joue sans jouer, parce que. Par faire un peu de viande pour manger à la maison, se balader dans l'oiseau pour faire un peu des repérages. Pour aller faire du poil et tout, mais. Ouais, vite fait, quoi, en fait. Hein. C'est un peu la merde, quoi. Je vais retourner au premier endroit, Proca. 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 On va faire proc la poca.
On va faire proc-poca là. Le langage lolien. C'est autre chose que LOL, mais en tout cas dans LOL on peut parler de ça. De proc. On va faire proc la toupoca et on va voir si elle aime l'endroit. On va bien attendre pour faire proc la connexion poca. En gros, voilà. Ouais, c'est la merde, hein, putain. Ça va jouer entre la crique et la ruine, quoi. Bah, la Vu que le grotte. biome Redwood, c'est un peu compliqué, hein. Ouais, j'ai l'impression. C'est grand, mais Ou alors j'ai. faut faire tout en l'air, mais tout en l'air, on peut pas mettre des constructions, on est obligé de JDG, il a dit rester que en c'est pas bien pour nature. chasser, machin, donc ouais, déjà. J'avoue, il n'y a pas beaucoup de bestioles, quoi. J'en veux pas beaucoup, mais bon, si on a que 2-3 diplos, un Bigfoot et un caribou, on va pas aller loin, quoi. Clairement. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des forêts, des arbres qui se pètent, quoi, non plus. Bon, il y a pas de forêt, quoi. C'est compliqué, dommage. Moi, je me serais bien vu dans un biome. On va retourner à l'endroit qu'on a dit, là. La ruine. On va montrer à Poca, là. Et vous allez peut-être nous dire, vous. Après, quelque part, heureusement qu'il ne faut pas péter les arbres dans ce biome-là, parce que tu craftes ta maison au Rondanor et qu'on te le pète, au Ah ouais. secours, quoi. Non mais je parle, il n'y a pas ouais, de petits arbres quoi. Enfin il n'y en a pas, si on a, il n'y en a pas beaucoup quoi, il y en a quand même. Pas de forêt quoi, tu sais pas que ton castor tu vas faire 50 km pour choper quelques arbres quoi. Du bois il en faut, hein, il faut masse. Hein. Je ratiboisais les forêts hein, putain, sur la. Côté de chez nous là, la forêt elle a morflé. Avec le thatch et tout, pour le thatch. Par Ouais, contre, j'avais un branche. mauvais souvenir des ruines parce que c'était pas loin d'une ruine que j'avais vu le gigan. Oui, moi aussi, Et... t'inquiète, j'y viens d'y penser. Mais bon. C'est juste ça qui me. Voilà. Mais bon, après, ça veut C'était. rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Déjà là, il y a une ruine C'est aussi, joli. celle-là, je l'avais pas vue. Cette Faire ruine-là. sur plusieurs étages, c'est sympa. Ouais, cette Faire une ruine-là. base sur plusieurs étages, Ouais. ça peut être sympa. C'est bien plat et c'est déjà prêt, quoi. Alors, déjà, bon, il y a cette ruine en plus maintenant. Parce que c'était pas celle que j'avais vue avant, moi, perso. Spino, c'est Spino 140 que j'avais vu ça. Oh putain, il y a 3 Spino là. 145, c'était celui-là, regardez. 145 le Spino. Je l'avais vu l'autre jour. Il y a 3 Spino là. Bah, j'ai vu. GG, voilà. Qui sait, on pourrait peut-être le tam. Il y a 3 Spino, en tout cas pour la Ah, prime. 5. Et level 5, putain, t'aurais pas pu compléter l'autre, 150. Hein? 445 plus 5, 450, oui, un Spino parfait. ils ont réglé les problèmes de texture par rapport au sol dans les ruines. Je me rappelais qu'il y avait des textures qui se chevauchaient. C'était trop bizarre. On a l'impression que le sol il vibrait, quoi. Donc cet endroit serait plausible, c'est vachement plat. Après, c'est un peu compliqué parce que ok là c'est bien pour faire salle des coffres et tout, les vaults. Mais les bestioles là, je vois pas où je pourrais les mettre quoi. C'est quand même un peu petit je trouve, perso. Ça manque un peu de place. Ah là ça continue là, ouais. Ça peut être pas mal quand même. La vue est très belle, hein. Faut le noter. Hein. Franchement, l'endroit est très joli. Pourquoi pas? Il y a quand même peut-être de la place pour les bestioles. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ici, ouais, pourquoi pas. Et c'est joli, hein, putain. Et on a déjà plus ou moins. On a déjà une base de fête en fait. On met des portes et c'est réglé quoi en fait. Hein. Faut voir s'il y a des argentavis qui peuvent venir ou des dimorphes. S'il n'y a pas d'argentavis qui viennent là, ben, on n'a même pas besoin de fermer les ouvertures, là, on peut rentrer avec les oiseaux easy. C'est parfait quoi. Après dans le loot on peut fermer toujours. Avec quoi je sais pas, mais. Ce serait bien de laisser comme ça, on n'a rien à faire quoi. Mais. Après si nos bestioles sont neutrales et qu'elles sont attaquées. Non mais il n'y a rien qui attaque là, il n'y a pas d'argentavis quoi. Je sais pas bref. Bon, idée 1, c'est ça on va dire. Pas non, ça c'est idée 3, c'est la troisième possible. C'est pas mal. Là il y a un escalier qui descend, ok. Ah, après pourquoi pas, on peut prendre un côté là. Mettre des bestioles ici, fermées là, je sais pas. Parce qu'il y a des spinos à côté. Après, pour ce qui est des genres d'immorphes, comme tu dis, ou je sais pas quoi, on peut aussi mettre des barrières les unes sur les autres pour faire une sorte de... pas de grillage, mais...
Ouais, ça ferait un effet, tu sais, comme certaines maisons où Ouais. t'as des maisons qui ont des Des fenêtres espèces en de... croisée. Ouais, voilà, je sais plus comment on appelle ça. Par contre, c'est où ça? Parce que... Faut qu'on retienne les endroits, quoi. C'est un peu con, sinon. Tu notes, Poka? Je note quoi? Bah, les Tu coordonnées de veux la que je note base. entre deux drops? Ouais, quand tu montreras la map que je verrai pas, Non, mais sur ton c'est ça? PC, il y a moyen. Tu t'ouvres un Sur mon petit... PC. Non, mais tu veux pas faire retour bureau, c'est ça? Discord ou non? Vas-y, je note, sinon. J'ai pas envie d'oublier. Non, non, c'est bon, hein, je regarde 40... pas en plein écran. 48... 40... 47... 47, 54. Après, j'espère qu'on retrouve l'autre là. Donc après, il y a au centre, il y a la grotte au centre, mais ça serait pour plus tard, je pense, parce que clairement, faire un pont de fou et tout machin, et c'est super loin quand même aussi. Après, ça c'est aussi loin, je crois. Ah bref, après, lointitude, tant pis, hein, c'est comme ça. Et attends, par rapport à la map, 47-54. Ouais. Quelle voix sensuelle. Donc il y a une borne sur l'île de merde à droite, il y a une borne sur l'île volcanique, il y a une borne tout à gauche, je crois. Donc on aurait quand même accès à ça, je crois. Mais c'est compliqué quoi, faudrait avoir des sauve-neige et tout pour passer par pas loin du biome d'Eve. Ça serait compliqué quand même, mais après voilà. Faut faire une fois que c'est fait quoi. Après c'est bon, on est tranquille. Je sais plus où était l'autre ruine. Celle que j'ai vraiment trouvé pas mal. Ok, là, c'est une merde. L'autre ruine qui était pas mal, où est-elle? Je sais plus où elle est, j'aurais dû la. Chier. La ruine avec le grand escalier là, arrondi, merde. Ah putain. Tant pis, bah ça se trouve, on trouvera une autre. J'ai enregistré sur le PC et je suis pas retour au bureau, c'est pas en plein écran. J'ai retrouvé les ruines en cristal, 33-13 sont leurs coordonnées. 33-13, merci JVG. Merci, ouais. Merci. Merci, papa. Merci maman. Bon, on va aller voir ça alors. 33, 13. Ah ouais, c'est. Ça fait peur, hein. Il fait pas froid là-bas. Je vais pas mourir. Ça fait peur. Hein. J'ai un peu peur, quoi. Je te cache pas que j'ai un peu peur, quoi. C'est pas loin du biome neige, hein. C'est vraiment pas loin du biome neige, quoi. Ah, si gel, je fais demi-tour direct. Instant. Instant demi-tour, quoi. Traverser le centre. On va passer par le centre du centre du centre. The center. Là, il y a la vallée des allosaures, on va dire ça comme ça. Mal au cul. Ouh, j'étais dans le rouge niveau FPS.
Ouais, le centre, c'est pas top, top. Alors que je suis au moyen en plus là. Hein. Lol. Abusé. Abusé. Après, c'est mon oiseau qui est super rapide aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai des espèces de lagouilles. Je crois que c'est pour ça. Avec un oiseau moins rapide pour voir, Ouais, bon, je veux juste pas le pour voir prendre. si c'est Lui, on essaiera plus tard. Où il fait froid. Il fait super froid là. Là, j'ai chaud. Ok, tu passes du chaud à du froid. Ce jeu, il est excellent. Excellemment bizarre. C'est n'importe quoi. 33. Ouais, mais j'ai froid, je peux pas y aller. C'est mort, on veut pas s'installer dans du glacé alors qu'on a même pas un poêle sur. Tu vois. On peut pas. Il fait vraiment froid quoi, c'est pas un mythe. Il va falloir farmer du On peut poil. pas, je peux pas aller voir, désolé, GG. Je suis mort le jour, tu sais pas si t'étais là, mais je suis mort 3 fois de suite. Hein. Avec le glaçon, parce que voilà. J'étais mort une fois, après pour revenir, je suis remort une autre fois. Alors, remords pour chercher le bestiole. En tout cas, là, il y a du poil si jamais. Et il fait pas froid. Si jamais, là, il. Ah, si, il fait froid. Ouais, c'est un peu mal foutu. Là, il fait chaud, et là, il fait froid, quoi. Peu mal foutu, quoi. Bref. Ouais, on peut pas s'installer là. Clairement. C'est trop dur. Trop froid au début, on n'a pas de poils. Si on perd notre stuff, on doit refaire du poil. Ça va être juste un enfer, je crois, pour s'installer là. Puis c'est quand même des serpents et compagnie à Par contre, côté. là, il y a des mammouths. Ouais, bah oui, je sais. Mais le mammouth, mais il fait froid. Hein, hein, logique, Oui, hein. Logique, hein. je sais. Non, moi je crotte pas là. C'est mort. Non, mais il faudrait être en bordure de biome neige pour ben, fermer le poêle et. Mais bon, Ouais, c'est mais là, compliqué. si t'es en bordure qui fait déjà froid, c'est pas la peine quoi. Faut trouver un endroit où il fait pas froid. Alors vraiment rester au bord et venir dans le biome neige et repartir et revenir. Faut descendre vite la vie. Parce que là, il fait pas si froid que ça, je sais pas combien de degrés il fait, mais. Moins 2, il fait que moins 2. Là, s'il ferait moins 20, je serais déjà mort. Hein. Donc, tout le temps que je suis resté, je serais déjà mort. Hein. Moi perso, je suis vraiment pas chaud de commencer une base là. Peut-être plus tard, qui sait, une autre base pour quelque chose, Mais mais en là. fait, l'endroit que tu as chaud, justement au milieu du ben, endroit où il fait froid, c'est le marais. Bah oui. Qui dit marais dit croco. Serpent. Oh putain, il y a un serpent là, vous avez vu? Il m'a fait peur ce con. Croco dit dismount. Oh merde! Y a un croco là juste en dessous, vas-y, casse-toi, je me casse. Là il fait pas froid, il y a des buffles et tout. Ah si, il fait froid, ah, mais c'est horrible les températures, c'est pas normal quoi. Tu passes de la flamme au glaçon quoi, il n'y a pas de flocons de. C'est nimp quoi. Je trouve ça affreux quoi. Heureusement nimp. Mais bon. Ah bon. C'est normal. Dire que c'est tout à fait normal. Ouh, il y a un serpent. Ouh, il y a des serpents. Oh, faut que je fasse manger mon oiseau, hein. Il est presque mort de faim là. Hein. Bon, on prend le rayon, c'est bon. Non, heureusement que j'ai regardé. Je suis hors des serpents, putain. Ça me stresse, ça fait flipper. Je suis mort tellement de fois dans sur Valhalla. Un coup de croc, t'es mort quoi. Croc qu'une fois, t'es dead. Bon, allez hop, on se dépêche parce que là, je suis presque midlife. Crever là, ça va être marrant. Mais on va au marais, on a chaud, c'est bon. Pratiquement, il fait pas chaud. Bon, après, j'aimerais bien retrouver le premier endroit. C'est un rayon jaune, ça? Ouais, c'est un rayon jaune. Ah, là, il y a une base, c'est celle-là? On va voir. Je sais pas si c'est celle-là. C'est marécageux là ou c'est quoi?
Waouh. Il y a de ces trucs dans les rayons là, c'est n'importe quoi. Rayon jaune, il y a un schéma de panneau quoi. The fuck, c'est toujours aussi bizarre. Putain, mais. T'as pas un truc avec les réglages là? Je sais pas. Je un truc qui fait pas. Bizarre que tu loues que de la merde dans les rayons. Peu importe ta couleur. Bah, on a remis la qualité en la difficulté en zéro. Clairement. Difficulté en zéro? Bah oui, c'était sur 1. C'était difficulté max. Avant, on était en difficulté max. Et depuis qu'on s'est fait péter deux fois deux bestioles en 2-2. Ah, ici, il y a moyen de faire une base, mais je sais pas. Je suis pas friand. C'est pas difficulté 1 plutôt parce que 0. Non, difficulté 1, c'est le max sur le notre serve. Ah d'accord, excuse-moi. C'est de 1 à 0 quoi, Oula, tu ouais, je sais pas. mets le max ou tu. Voilà quoi. Bref. Et du coup, on a mis en 0 depuis qu'on s'est fait baiser. Parce qu'en vrai, moi je vais faire du PVP sûrement dans les prochains temps. Donc le piment sera en PVP. Par contre, en PVE, je veux que ça devienne bisounours. Parce que ça commence à être saoulant de perdre des bestioles. Je trouve elles sont pas bien équilibrées. L'espèce de bestiole à plumes qui te défonce contre 4 loups, elle te défonce un loup. La bestiole c'est un herbivore, elle a des plumes et tout, et elle te défonce la gueule, elle te bute des loups. Je trouve ça un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pour ça, voilà, difficulté zéro et hop. Comme ça, on est content. Là, on est là pour C'est tamer des surtout la bestioles difficulté. et pas se prendre la tête, quoi. C'est surtout la difficulté du jeu, quoi. Enfin, à la base, il était comme ça. Donc. Oui, bah, c'est trop pété cette bestiole, je trouve. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et après, c'était un peu chiant. Même un troudon, là, machin, il venait m'attaquer. Je donnais masse coup de lance. Impossible de le buter, quoi. Je vas-y. C'est juste n'importe quoi. Petite bestiole, aussi grande qu'une cacahuète, tu mets masse coup de lance dans sa gueule, elle meurt pas, quoi. T'es obligé de mourir, en fait, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Sur Valhalla, on était bien, on était posé, on avait tout, mais là, d'être à poil et tout, nouveau, ça le fait pas. Pourtant, Valhalla, on avait Non, commencé, on était. sur Valhalla, il y avait moins de Lui, bestioles il y avait surtout. moins de bestioles aussi. Il y a trop de bestioles sur ces maps aufi. C'est beaucoup trop, C'est pas qu'il y a trop de bestioles, c'est que sur Valhalla, c'est la pesant. map était plus grande, donc les bestioles étaient un peu espacées et c'était pas un troupeau ou Bon, quoi. il y a tellement de ruines quand même, mais je sais pas. J'aimerais bien retrouver la ruine d'avant. Ouais, je trouve que c'est un peu abusé. Il y a trop de bestioles au mètre carré et ça gâche un peu. Moi, je préférais dans voilà là. On a beaucoup dit qu'il n'y avait pas assez de bestioles. Moi, je préférais largement. C'est beaucoup plus réaliste de chercher un peu ces bestioles que de tomber sur des tas de 50 bestioles qui sont en train de se battre. Tu te demandes pourquoi elles sont là. C'est dommage. Après, c'est pas grave, tu retrouves le coin que t'as dit en regardant ton replay, non? Ouais, mais j'aurais bien voulu y Non? retourner là. Je sais pas, ça m'énerve parce que j'aimerais bien qu'on finisse par se poser quoi. C'est bien beau, mais. Ah, c'est chiant de tourner, tourner. C'est un peu chiant, vraiment, quoi. Au pire, je regarderai le replay après. Ouais, faut encore le trouver dans le replay. Le moment. J'aurais-tu regardé sur la map, j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est de la merde, vas-y, je prends même pas, je peux me faire chier. Pas me faire chier à jeter, tant Et pis. t'as trouvé les ruines après avoir regardé la crique à JVG. T'as qu'à retourner à la crique à JVG. Ouais, je suis en train d'y Et à retourner, ouais. partir de là, retrouver le chemin petit Je à crois petit, que tu j'y vois. retourne, c'est par là. Ouais, c'est par là. On va voir. Je sais plus sur quelle île c'est, si encore je savais quelle île c'était. C'était une des trois. Hein? Je crois que c'était la deuxième ou la troisième. Ah, là-bas c'est la. Ah, là il y en a. Il y en a une là. Pff, il y en a plein en fait. Pour l'instant, mon préféré c'était vraiment la première grande ruine. Après, la map est jolie quand même. J'arrive pas à me poser. Ah voilà, c'est celle-là, je crois. Non? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
Quoique si c'est ça, je crois. Si c'est pas ça, c'est une possibilité quand même. C'est joli ici. Ouais, c'est joli. Il y a de la place. Déjà, on va commencer d'en bas. Donc là, déjà, on aura nos futures bestioles aquatiques. Là, paf, dans le creux, là, je suppose. Ça a l'air d'être spacieux. Faudra fermer. Tac, tac. Tac, tac. On pourra coloniser tout l'endroit. On a déjà un enclos aquatique gratuit. C'est ça qui est bien. C'est vraiment mignon. L'escalier qui monte, c'est sympa. Là, on peut ben, possiblement faire salle des coffres ou quoi. C'est un peu serré quand même. Oh, ça fait peur là. C'est quoi? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gigano? Il y a de l'eau là. Il y a de l'eau apparemment, on peut partir. Je sais pas, je comprends pas trop. C'est chelou. Il y a des endroits suspects là aussi. Sûrement, on peut partir avec des bouteilles de plongée et tout dans l'eau. Ça peut être marrant. Genre, on peut Oula, mettre. chelou comme tu dis. Après, donc là on a ça, on a dit, ça peut quand même servir de. Peut-être salle des crafts ici, peut-être pas salle des coffres, mais salle des crafts. Et après, la salle des coffres, où est-ce qu'on pourrait la mettre? Je sais pas. Salle des coffres, il y a quand même 25 volts à placer quoi. J'aimerais bien les remettre les 25 comme sur voilà, parce que c'était bien et voilà quoi. C'était. Après, peut-être on peut en mettre moins de 25, mais. Genre pas deux fois moins, ça fait beaucoup trop de volts en moins. Regardez la map, c'est quelles coordonnées qu'on tienne. Ouais, attends, je regarde. Là, ça fait un endroit bien plat aussi. Donc peut-être salle des coffres là, on pourrait admettre. Après je dis ça, c'est juste voilà. Histoire de. Ouais, c'est vachement grand hein, ici. Ici on pourrait mettre nos dinos, l'extérieur et tout, machin, Rex et tout. Pas mal. En fait, c'est encore mieux que la première, je crois, celle-là. Parce que c'est super plat et j'ai l'impression que c'est plusieurs ruines. Vous avez vu, c'est plusieurs ruines attachées l'une à l'autre, en fait. Et là, c'est super plat aussi et spacieux. Qui sait, on pourra même faire pour nos rex et tout. Là, on prend d'ici, putain. Par exemple, de là, de la pointe là, on ferme jusqu'à là. Genre, on a un énorme endroit à nous à l'extérieur, quoi. Un terrain quoi. Qui sait? Ça pourrait peut-être le faire. Après on a cet endroit là aussi. Bien plat. On pourrait faire nos chambres, je sais pas. Une chambre là par exemple. La chambre à Pocah, admettons. Après donc là on a un pont qui monte. Ça va où ça? Non, ça monte, ça fait le tour, ok. Est-ce que là sur les trucs en hauteur il y a des. Possibilité. Ah, je sais pas. Moi je trouve pas mal cet endroit. Pas mal, pas mal. Non, c'est très joli. Là il y en a un petit étang. Sympathique. Sympathique, un petit étang, c'est joli. Après c'est quoi ça? Pas loin, c'est pas loin ça, on pourrait s'en servir aussi. Hein. Moi je suis vachement enthousiaste aussi. Ça va être compliqué de choisir, hein, je vous dis, hein, ça va être compliqué, hein, putain. Regardez vite fait cet endroit. Petit Super étang, plat. maison sur pilotis, ça peut être sympa aussi. Ah, des castors là. Pour la sémantine, pas loin. Ça peut être pas mal. C'est trop compliqué. J'en ai marre. Ça va bien falloir qu'on choisisse, hein. On pourra pas voir tous les endroits de la map avant de. Faut que je repère Si tu l'endroit. notes pas les coordonnées, Mais on ne si, c'est repère ce que je pas. viens de dire, faut que je les note. Je vais retourner. Base, soi-disant, principale. C'est-à-dire là. Soi-disant base principale. Moi, je trouve que c'est hyper spacieux, quoi. C'est pas mal. Un crocodile. Ouais. C'est pas mal parce qu'au final on aura déjà notre base. On ferme ici. Tu mets des portes là, tac tac, métal. Ça gigano va te faire foutre encore une fois. Après, il y a moyen de jouer sur ton serveur? Bah,
J'ai envie de te dire non, désolé, Romain. Parce qu'en vérité, il n'y a que 10 slots déjà pour commencer. Et voilà, quoi, la base, c'est pas pour. C'est pas un serveur pour accueillir du monde, parce que sinon il y aurait plus que 10 slots, tu t'en rends bien compte. Et on m'a déjà demandé pas mal de fois, donc voilà. Voilà. Après, je sais pas, on verra par la suite. Qui sait, qui sait. Peut-être que je pourrais mettre plus de slots sur le serveur ou quoi. Après, je sais pas si le ping il irait bien parce que Poka, comme dit, elle a une connexion moyenne, on le sait maintenant. Et du coup, ben, s'il y a plus de joueurs sur la map, je pense que le ping il augmente, non? Comment ça se passe? Je sais pas. Je m'inquiète aussi par rapport à ça. C'est pas à cause de moi que tu reçois pas les gens, hein. Ne dis pas ça. Bah non. Bah non, mais D'accord. bon, voilà quoi. C'est aussi une raison. Je m'inquiète. Si après y a masse monde qui viennent et ça fait augmenter le ping de la map, je sais pas, toi tu peux plus jouer, c'est un peu ballot quoi. Du coup je vire tout le monde et voilà, c'est de mon bien, c'est ça. J'ai viré tout le monde Non. une fois parce qu'il y avait un trade dans la tribu, ça m'a suffi une fois. Je préfère pas accepter que virer les gens. Ça va, ça suffit quoi. Ça me suffit. Non, non, Bon, non, moi. alors. On va prendre les positions. T'es prête à noter? Ouais. Alors. En 50. 64. Oh. Pas chier, toi. Pas chier, toi. Putain. Par contre, juste une question. Gino, il se trouve où? Je sais pas. Parce que moi je me rappelle juste d'un Gino près d'une ruine, mais bon. J'aimerais bien savoir. Moi aussi. C'est la seule chose qui me fait peur, Bon, en fait. il va mourir ce putain de raptor là, il m'énerve. Je trouve ça nul qu'on puisse plus faire des petits bonds en arrière avec le Ptera. Avant, pour faire des petits bonds en arrière, on peut plus. Je trouve ça vraiment très nul parce que c'est pas déjà pas contrôlable comme ça quand tu veux les ranger et tout, c'est horrible. Ça, ils ont vraiment fail pour moi, c'est un fail mais énorme. C'est bon, t'as noté? Ah Ok, parfait. Pareil pour les argentavistes. Je me prenais la tête pour ranger. Depuis qu'ils ont fait cette mise à jour de merde là où tu peux faire des petits bonds en arrière. Certes, ça paraît peut-être moins plus réaliste de pas faire de petits bonds en arrière. Alors, ce compte-là qu'ils fassent un jeu où hein, tu peux traverser, rester bloqué, traverser à moitié les murs et les autres créatures, quoi. Hein. Ok, là je veux bien. ouais. Dans ces cas-là, qu'il fasse en sorte que les oiseaux puissent reculer aussi. Ouais, voilà, qu'ils puissent marcher en arrière, ça c'est pas con. Ouais. En fait, c'est la solution pour cas. C'est juste ça en fait qu'il faut, quoi. Pouvoir faire une marche arrière, quoi. Ce que je veux bien pour un poisson, genre un requin, parce que dans la vraie vie, le requin ne recule pas. Donc, je veux bien, hein, mais tout ce qui est volant, je m'excuse. Quand ça marche sur Terre, ça peut aller dans toutes les directions. Hein. J'ai compris. Dis-moi que le jeu est sorti, c'est ça? Qu'est-ce que tu seras sorti, les oiseaux marcheront en arrière? Ça, c'est pas sûr. Hein. Je sais pas. C'est triste quand même. Il y a beaucoup de trucs qui me déçoivent encore dans ce jeu. Malgré que ça fait un bout de temps maintenant que. Voilà quoi. Il devrait quand même stabiliser un peu niveau. Truc logique un peu. C'est des trucs, je pense, faciles à faire pour eux, non? Je sais pas, bref. Non, ils font Scorched Earth! C'est mieux de faire une nouvelle map. C'est mieux. What the fuck? C'est bizarre, il y a des ruines, des trucs aquatiques dans les Bah ruines. avec Scorcha, ils ont gagné des sous, hein. Oh bah c'est pas faux. C'est pas faux. Scorched Earth. Scorched Berk, ouais, plutôt. Il y a trop de ruines partout, c'est affreux, je sais pas où on pourrait aller. Mais la ruine là que t'es en train de revisiter, c'est une ruine que t'avais déjà visitée, je crois. Non, je crois pas. Mais sinon, ce serait mieux d'aller retourner à la crypte de JVG, à moins Oui, je que suis en je me train trompe. d'essayer d'y Ah, retourner, mais bon, d'accord. je sais pas, je vois autre chose d'intéressant. Voilà. De Oh, toute bah, façon, c'est pas la ruine que tu voulais ce sera pas sur aujourd'hui, je piste pense trop qu'on petite. décidera. Hein. Ce sera pas aujourd'hui qu'on décidera. On note déjà des différentes bases possibles. Ça se fera une autre fois, il faudra choisir entre les différentes bases.
Et après, j'essaie de me renseigner quand même un minimum sur le net aussi. Parce que, à défaut d'y aller moi-même, j'irai sur le net et je verrai peut-être les bases intéressantes. Parce que voilà, on s'installe qu'une seule fois quoi. D'accord. Autant prendre le meilleur endroit si jamais, Sinon, tu vois. Ah, ça m'a pété ton l'oreille. projet PVP, t'as déjà... Non, mais je sais pas, on va, je peux pas m'occuper de 10 trucs en même temps. Hein. Cette chose à penser là. Déjà, je vais m'installer là et voilà. Avoir déjà plus ou moins un semblant de base et après on verra quoi. Si je commence à jouer en PvP, jamais on aura une base quoi. Putain, y'a de la merde! Ben si, en PvP, t'as une base, enfin, tout le monde a des bases. Oui, mais bon, là, je parle de nous, de nos bestioles, je parle de. Voilà quoi. PvP, c'est secondaire. Hein. Je suis même pas sûr que je dois y aller en plus. Même pas sûr en plus. Je pense. Bon, il caille là, ça fait chier. Pourquoi? Bah, je sais pas. Hein. C'est pas décidé, j'ai pas de serve. Voilà. C'est sûr que quand c'est fait, non? Et c'est pas fait, donc c'est pas sûr. Où je serai en PVP, ouais, je pourrais dire, c'est sûr. Ouais. Non, ça c'est de la merde, ça c'est l'île de merde. J'ai du mal à me repérer, il y a beaucoup d'îles partout là. Je connais pas du tout la map. Hein. Je vole peut-être un peu pour rien. Oui, il fait froid, mais pas trop. Il doit faire moins 5 degrés maximum. Zéro, ouais, ça va. Faut surveiller quand même. Quelle heure il est? Minuit et demi. Faire gaffe quand même. Si je commence à être mid-life, 2-3 coups d'aile et j'arrive là-bas, ça va le faire. Ça fait peur quand même. Je crois que je vais rentrer. Non, mais au pire, t'as le volcan là, donc si tu vois que tu meurs de froid, ben, pas au volcan, t'as plus froid. Hein. Ouais. On voit rien Non? en plus, oui. En même Bon. temps, le volcan est repérable, il y a tellement de fumée qui C'est une base s'échappe sous-marine. du volcan. On va aller vers le volcan. On va y aller. Parce qu'on a commencé à avoir foi. Une base sous-marine, je sais pas, c'est compliqué une base sous-marine. Je sais qu'il y avait un mode comme ça où tu pouvais avoir ta base, c'est genre ça faisait comme une bulle d'air sous l'eau et je sais pas. Sinon, base sous-marine, ouais, faudrait avoir une maison de surpilotis puis toutes tes bestioles marines, que des bestioles marines. Je sais pas. Bon, moi je suis comme la crique, je suis quand même moins de cet avis. Tu penses quoi, la crique? Il y aura trop à faire, ça peut être sympa, mais Mais la crique, c'est je pas l'ai toujours plein pas non plus. vue. Je risque pas de venir. Voilà, là j'y suis, là c'est ça. Ben, laisse-moi le temps, Bah laisse-moi oui, y bah aller. je te laisse le temps, j'ai pas dit dépêche-toi. Je juste à regarder, par contre, je mange. C'est pas. Ouais, pourquoi pas. C'est trop de taf en fait pour faire la base. J'ai plus la foi de faire des putains de trucs de dingue. PvE, j'aimerais juste plus jouer pour plus pour tamer qu'autre chose quoi. Base, je sais pas. Un peu feignant. Je suis devenu feignant. Voilà, c'est ça, tu vois. Celle-là, je crois. Sur beaucoup de neige. T'es en train de voler là? Bah, je vole doucement. Oui. Bah, moi, je suis Je sais pas pas. trop chaud. Ça donnerait deux jours parce que là, de nuit, je vois pas grand-chose. Le stream, il est trop sombre. J'ai augmenté la luminosité. C'est sombre, quoi. Regarde, attends, je vérifie.
Aïe aïe. Moi, je sais pas, c'est peut-être à cause de mes pixels, le fait que ma connexion drop et tout, j'en sais rien. Mais bah, pixel, c'est sûr, c'est pas la vie. Ça m'a l'air pas mal, le creep m'a un peu petit. Faut pas mater en plein écran. Hein. En plein écran, c'est trop pixelisé. Hein? Pas mater en plein écran non plus, sinon tu risques pas de voir grand-chose. C'est trop pixelisé. Comment c'est Oh, en ça a plein l'air écran? assez lumineux, c'est plus lumineux que chez moi d'ailleurs. Faudrait même peut-être que je baisse la prochaine fois. Mais quand tu bouges, ça. Comment? Ça Là, quand t'es pixelise, oui, statique, ça redis-le, va. dégoûte-moi bien, c'est cool. Mais non, c'est pas fait exprès, je fais pas exprès, je parle de ma connexion. Bon, sinon non, la crique c'est mort. Je vois pas comment on peut faire une base à la crique. Sans vraiment faire des trucs de ouf. J'ai déjà répondu avant Romain. GTX 980. Bonne carte graphique quoi. C'est largement suffisant pour Arc. Hein. Ah bon, largement suffisant. Entre guillemets, parce que Arc, il faut une GTX 600, 600 millions quoi. Si tu veux vraiment jouer en ultra et avoir tout le temps 60 FPS. Genre avoir 60 FPS avec qualité full ultra dans le jeu, mais faut pas bouger quoi par contre, hein. Sinon t'as plus 60. Dans le ciel j'arrive à avoir 90, un peu plus peut-être. Enfin, bref. Là je suis en moyen, par contre j'ai autant d'FPS que si j'étais en ultra, donc je comprends pas ce jeu, bref, évitons de parler de choses qui fâchent parce que ça commence à m'énerver là. Pixel, machin, connexion, qualité de merde, jeu de merde, tout court, voilà, bref, je le dis. Ce jeu il déchire, mais ce développeur, c'est les développeurs qui sont de la merde en fait. Pensez à Scorched Earth là, mais allez vous faire foutre quoi. On s'en bat les couilles de votre Scorched Earth. Putain, finissez votre jeu avant de faire des trucs payants là. C'est quoi le délire? Ça, je le dis direct quoi. Et après, bizarrement, je suis sur internet, j'ai vu qu'ils se plaignaient parce que soi-disant c'était payant et que voilà, ils avaient fait. Bah oui, bah, c'est directement ce que j'ai dit quoi. Hein. Bizarrement, je suis pas le seul à penser à ça quoi. Pour une fois, hein, on n'essaiera pas de me contredire à tout prix, comme quoi j'ai tort, quoi. Hein. T'as fait raison. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Bref. Se faire chier avec des bugs, Sinon, à mon dieu. partir de l'endroit où t'étais, donc la crique, hein, on était énervé, t'aurais pu juste te dire, tiens, dans quelle direction j'étais allé, je pense que j'étais allé par là, Je j'étais allé sais pas, sur les... Poca. Si tu veux, viens sur la map et tu vas le chercher. Hein. Voilà, je vais pas tourner encore 3 heures, hein. Ça commence à me saouler. Non, mais c'est un peu plus positif, c'est tout. Oui, bah qu'est-ce que tu veux être positif avec un jeu qui bug comme ça? Tu peux pas être positif. Salut Rams, ça Oh, va? Yarems. Fort. Bonsoir, Rems. Je serai positif le jour où le jeu sera positivement jouable. Là, je serai bien positif. Je serai content. Très content. Bon, ce jour-là, je sais pas s'il arrivera. J'en doute. Là, c'est la base d'avant, ok. Bref, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, celle-là, je trouve que c'est la meilleure. Avec le petit étang là, machin de côté. C'est joli. C'est vachement grand là. T'as raison, elle est bien. Après, je sais pas, faut voir. Hein. Faut voir. Sinon, il y avait l'autre win aussi avec plusieurs étages où tu pouvais enfin, étendre la base sur plusieurs étages. Avec des escaliers et tout. C'est sympa. Ouais, je sais pas. Ouais, bon, c'était petit quand même là-bas. T'as eu un coup de cœur pour celle-là, donc c'est là. Non, non, on prend pas celle-là. Et voilà. De toute façon, on décidera pas ce live-là. Faut trouver tous les endroits les plus OP et après faire du va-et-vient et décider éliminer jusqu'à dire ah, on habite là. Hop. Moi, j'élimine celle où il y a le gigant, Bon, c'est pas laquelle c'est. Mais ça se trouve, il n'y a pas de Gigano. non. Faut regarder les zones de Gigano. Hein. Ça se trouve, il y en a partout. On sait pas. Hein. C'est quoi ça? C'est l'endroit d'avant, je suis à 20 FPS là, comment c'est possible?
Il y a un gigano, je suis sûr, il y a un gigano. Je sais que le gigano, ça peut baisser les FPS. Tu vois là, j'ai perdu un Ptera comme ça. T'as tout à fait raison, Hans. Baisse d'FPS, gigano, crash, au revoir. Cool. Non, 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 parle pas de malheur, s'il te plaît. Le souci de cette map, c'est que la masse. Qu'il n'y a pas masse de place à ce plat. Ouais, si, là où on était, c'était pas mal. Ouais, oui, masse, oui, il y a peut-être des endroits, mais j'avoue, c'est assez biscornu en général. Parce que. Ok, j'ai crash. T'étais où? Je vais racheter le jeu. Non, 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 Ce calme-toi. jeu m'énerve. Jeu d'enculé. Je suis en moyen, je crash. Je l'ai encore dit, quoi. Je l'ai encore dit. Je l'ai encore dit. Je parle de crash à crash. Je me troll. Fils de pute, jeu de merde. Ah là, je vous jure, je pète un plomb, quoi. Putain, c'est bon, vas-y. Je vais rage quitte le live, de toute façon, on s'en bat les couilles, ce jeu c'est de la merde, je crois que je jouerai plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez jouer à ce jeu? Appelons les développeurs, insultons-les, allons chez eux, on va les kidnapper, putain, qui développe un peu le jeu là, Scorcheder de merde, la fils de pute. Oh là là. Ah, ça me saoule là, mon Redaro, si je le perds, mais je pète un câble quoi. Je sais Il même pas était où en je suis neutral. quoi, vas-y quoi, oui, il était en neutral. Putain de jeu de merde quoi. Ah, ça me gonfle là, ça me gonfle, ça me gonfle, ce jeu il me gonfle. Tu peux pas. Qui c'est les bâtards qui achètent Scorcheder quoi? Mais c'est pas possible quoi, on s'en bat les couilles là, finissez le jeu là. On veut jouer, merde. Ça sera une alpha dans 10 ans encore s'ils sortent 18 extensions payantes là. Tous des moutons là, on est tous des moutons, ouais, achetons, achetons, c'est bien, c'est nouveau. On s'en bat les couilles là, de faire un désert tout plat avec rien du tout. Ouais, c'est cool, c'est beau, ouais, on a un golem, vas-y, mais casse-toi. Putain, là je suis vénère, hein, vous savez pas. Hein. Vous savez putain de pas quoi. Casse les couilles quoi, mais ça me casse les couilles quoi. J'ai clairement pas envie là. Si je perds mon Redaro, je vais devoir reprendre une save pour récupérer parce que c'est un putain de bug de merde. Et voilà, c'est juste pas joyeux quoi. J'ai juste pas envie quoi. Ah non, clairement pas quoi. Qu'est-ce que tu joues à ce jeu en fait? Tu peux pas. Putain, j'étais en moyen quoi. Je joue en ultra pendant 2 jours, 3 jours. Que dalle! Je me mets en moyen, je crash quoi. Non mais sérieux quoi! Et là, pourquoi je redémarre aussi? Faut me le dire. Putain de fils de pute là. Ah, il m'énerve, j'ai envie de les baffer les gens comme ça là. Développeurs de cons là. Décision de connard. Des trucs tout le temps, je dis, il faut faire ci, il faut faire ça. Pourquoi ils ont fait ci et ils réagissent pas quoi. Bande de blaireaux. Des trucs tout pourris comme l'oiseau. Ouais, ok, l'oiseau peut plus faire des petits bonds en arrière, mais il marche pas en arrière. C'est pareil, mais réfléchissez, bande de PD là. Comment on range nos oiseaux quoi? Connard. Oh, comme ils m'énervent ces gens-là, ils m'énervent. Putain de fils de pute, quoi. Ah, je sais pas. Ok, d'accord, il fait tout noir, c'est quoi le délire? Vas-y, mais c'est quoi ce délire, quoi? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce jeu de merde? C'est quoi ce bug maintenant là? C'est quoi ce truc? Faut me dire là ou je peux rien faire. Il y a un T'es écran endormi? bizarre. Endormi T'es par quoi? endormi? Ouais, je suis en l'air par Je sais contre. pas. Super. Pas trop, trouve pas ça logique dans les airs. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est pas très logique. Moi bon, après on s'en fout. La logique à la limite, ok. Arc n'est pas logique d'un sens. D'être sur une planète bizarre avec des dinosaures, ok. Mais bon. Moi, ce que je trouve pas logique, c'est de faire payer déjà. Et même si c'était gratuit, j'aurais été contre. Putain, Par où contre, puis-je si vous aller? t'es sur un rocher ou quoi, ne bouge surtout pas. Ah, j'ai l'impression que je suis dans le Attends de vide. te réveiller. J'ai l'impression qu'il y a du vide en dessous de moi. Bref, je sais pas, je fais quoi là? Qu'est-ce que je peux faire là?
Je fais quoi là? Il se passe quoi là? On adore ce jeu. On adore tout ce jeu. Je sais pas pourquoi on l'adore. Il est tellement bien ce jeu, mais il fait tellement pitié en fait, d'un sens. Ça m'énerve. Moi j'en peux plus, hein. 3000 heures de jeu, au bout d'un moment tu satures quoi. Les bugs, ciao quoi. Tu peux plus. Je peux plus. Je peux plus C'est rester devant. bizarre, il n'y avait pas une icône de torpeur avant, enfin je crois. Non. Ah, je sais pas, c'est magique. Le ping du serveur est parfait, 20. Qu'est-ce que je peux faire? La daronne n'est pas mort. On peut pas J'ai l'impression qu'il est pas siffler. mort, non? On peut pas. Non, il est pas mort, je regardais. On peut pas. Je peux pas aller dans mon inventaire, je peux rien faire. Je peux. C'est magique. Bon bah on va quitter. À défaut de cracher, on se déco. Voilà. Ah j'ai pas envie de reprendre une save et me faire chier. Ah ouais. Ah ouais. Regardez ma mère vive, hein, PC, hein, c'est mon PC sûrement. PC n'est pas assez bien de toute façon. 70%, je vois pas pourquoi, c'est bien. À quitter totalement, tac, hein, on va faire ça. Je peux plus. Clair et net, j'arrête de jouer. Si je reprends mon Ptera, je rentre et j'arrête. Hein. J'arrête ce jeu, je joue à Skyrim ou autre chose. C'est mort. Hein. Ah, il m'a dégoûté là ce soir, là, c'est mort. Au revoir. Putain. J'ai envie d'y jouer, mais pas comme ça. Pas comme ça, quoi. Un espoir sur The Center par rapport à Valhalla qui était devenu injouable. L'espoir va être de courte durée. On a des FPS certes, ouais, c'est pratiquement pas jouable non plus quoi. Si tout le temps des trucs comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu perds des bestioles sans arrêt comme ça. Et ciao, c'est pas jouable, injouable. J'ai encore dit, une paire d'FPS, c'est dans le rouge. Je suis sûr, il y a un gigalo dans les alentours. Les giganos, ils font chuter les FPS, quoi. Ça, j'ai déjà remarqué, quoi. C'est de la merde, quoi. Comme voilà, trop bugué. Ouais, c'est trop bugué aussi. Bon, en gros, faut plus jouer. Quand on joue plus, on arrête. Hein. Oh, merde. Bon, il se passe quoi là? Ça charge pas. Crash du serveur. Hein. Le serveur il était tellement blindé de bestioles que ça crache. Ouais. Ça va être ça, je pense. Ça va être ça. Ça crache. Même pas dans le jeu, on crache. Oui! Oh, j'adore ce jeu. Je répète, j'adore ce jeu. Comment tu veux crash, tu veux même pas être dans le jeu, waouh. On recommence, hein. C'est parti, ok.
Il n'y aura pas une mise à jour du serveur à faire, peut-être. C'est automatique. Non, mais j'ai regardé juste avant de commencer le live, il n'y avait pas de mise à jour à faire. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour entre-temps, en moins de 2 heures, en 3 heures? Est-ce que t'as eu une mise à jour par rapport aux moutons là qui vont peut-être incorporer au jeu bientôt? Ouais, Chico. Je vais me faire buter à tous les coups. Ouais, bravo! Oui, on est dans le jeu! Youpi, magnifique! Les moutons, c'est-à-dire. Je rentre et je déco. T'es pas mort? Oui, bah, je suis heureusement. Il y a bien de la chance que je sois pas mort, hein, parce que là. Putain, qu'on me donne un numéro de téléphone, je. C'est Putain, comme la j'aurais fois où tellement j'étais appelé. tombée du. Tu Leur te rappelles demander. pas? J'étais déco dans le ciel, et avec le Kesa, j'avais peur d'être morte, en fait, d'être passée à travers la map. Quand je me suis recouchée, j'étais au sol. Oui, bah oui. Par contre, toi, t'avais sifflé les Kesa, C'est t'étais déjà bien, partie, c'est une tu faisais un peu nouveauté, ma je crois. mère, mais C'est pas nouveau. c'est déjà C'est ça. quand on est dans le ciel, on se recourt, on est à terre, quoi. C'est contrairement à ce qu'une fois, enfin, dans le temps, au début, ouais, quand tu te connectais dans le ciel, bah, t'étais dans le ciel, tu tombais, quoi. Tu mourais, quoi. C'était super. Au moins, maintenant, on crash. J'arrive pas à me poser, là, regardez. C'est quoi ce jeu de merde? Je peux pas me poser. Pourquoi? J'ai 60 FPS. 19 de ping. Mon PC il va bien. Pourquoi? Regardez! Je peux voler mais pas me poser quoi. Pas mort non plus. Vas-y, jeu de merde là. Fils Ça, de c'est un lag, pute. ça m'arrive souvent, ça. Non, c'est parce que la map elle a pas Mais chargé ou je sais pas. calme-toi. Bref, vas-y. Non, je quitte. Hein. Ce jeu Calme-toi. il me rend fou. Je peux pas jouer à ce jeu en fait. Je crois que je vais abandonner. Je vais plus jamais jouer. Je vais désinstaller. Je sais pas. Je vais commettre un meurtre une fois. Hein. Les développeurs, faut pas que je vois. Hein. Je crois que je vais le tuer. Me faire rager à tel point là, avec un jeu de merde là. Juste Un jeu calme-toi et ne excellent qui sont en spamme train pas de ta tuer touche. là. Calme-toi, ne spamme Hop. pas ta touche, tu vas juste Putain. t'attirer. Ton serveur a un souci a priori. Mais c'est quoi qui aurait un souci? C'est. Il a 22 ping. What the fuck? On n'a aucun mode, on n'a rien. Par contre, les premiers jours joués c'était parfait, il n'y avait rien. Au bout de 3 jours, ça merde. Je peux faire quoi? Ça sert à rien. Vas-y, on quitte le jeu de toute façon. Hop, voilà. Tu peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Ça vient pas du serveur en lui-même, non? J'ai 22 ping. C'est que le ping qui peut chier, non? Je suis pas un pro, moi, là-dedans. Je sais pas. Bon, moi, je vais faire du Skyrim. Désolé, mais voilà, hein, je peux pas, désolé, je peux plus. 3000 heures, c'est la barre où tu n'acceptes plus les bugs, hein, stade. Déjà avant, je m'énervais, mais là, je peux plus. Je sais même si je m'énerve, j'ai envie de tout péter. Heureusement que je me retiens, parce que vite fait, il y aurait des morceaux qui voleraient, là, des morceaux de clavier, des morceaux de Ça tout. sert à rien de tout péter de toute Oui, façon. bah, je sais que ça sert à rien, mais hein. Heureusement que je peux contrôler. Le titre du stream de Skyrim, ça va être marqué détente. Voilà, ça c'est un jeu, c'est un vrai jeu Skyrim. Certes, il y a des bugs dans des quêtes, mais voilà, au moins, hein, c'est un jeu qui te détend. C'est pour ça que c'est mes jeux préférés, je crois. Ark, ça te détend pas, ça te stresse. C'est un jeu stressant. Faut t'en stresser là. Des Rex Alpha là, avec une poudre machin de pourri là qui. Voilà, on a perdu un Rex hier. C'est aussi n'importe quoi, j'ai toujours dit, les alphas, ça ressemble à rien. Vas-y quoi. Je veux bien alors un alpha, mais pas qu'il soit poudreux là, pourri du cul là, on dirait qu'il était allé au fait là où tu balances les couleurs là. Vas-y, casse-toi. Vas-y. On va arrêter de parler de jeu, hop. Arrêtons de parler de ce jeu. Pourquoi ma cam est comme ça là? Skyrim, hop. Voilà. Bon, désolé pour ceux qui voulaient avoir encore du Skyrim. Moi, j'ai ma barre, vous l'avez compris. Non, Et pour pour ceux ceux qui qui voulaient veulent voir du art, encore du bras. voilà, désolé, bonne soirée au pire, si vous en avez. Je peux plus, là. Je peux plus vraiment. Par contre, là, il y a juste un truc qui m'intrigue. Cam.
super lumineux. Ta cam, c'est qu'un seul coup éclairci. Oui, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. J'ai aucun filtre sur la cam. C'est pas normal. En tout cas, merci à tous les joueurs qui nous ont aidés à trouver des endroits sur la main. C'était très gentil. L'écran est vachement lumineux là aussi, non? Là, je crois que c'est. Ah, là, ça va mieux. Là. Le jeu il est lumineux, je crois trop lumineux, non? Je sais pas, je comprends rien du tout. Nouvelle OBS c'est chelou quand même. Tu verras plus tard pour voir si tu peux passer avec GeForce Experience. Et t'en fais pas. C'est pas grave, détends-toi sur le Non, jeu. je veux juste arrêter de live en fait. Je sens que ça va m'énerver, là il va y avoir un truc de merde aussi. J'ai plus la foi, j'ai plus la foi de live. Je vais arrêter. T'as encore un souci, en plus il n'y a aucun réglage à faire. Mais... Sinon je regarde ça, hein. J'ai pas envie de live. Je joue à rien du tout, je crois. J'ai plus envie de jouer en fait, ça m'a dégoûté. Je vais. Voilà, hop, je ne joue plus. Ne joue pas. Test. GeForce. Je vais voir ça. On va voir ça, hein. Expérience. Live. Voilà. On va tester, hein. Ça va être un test, hein. GeForce Experience déjà. Ouvrir NVIDIA. Alt Z, je crois que ça se fait avec Alt Z. Mais est-ce qu'il faut lier la chaîne à Twitch? Je vais juste mettre la cam là par contre. Voilà, comme ça, bon grand, c'est magnifique. Est-ce qu'il faut lier? Il faut lier le compte Twitch, je suppose. On va voir ça. Puis après, on va essayer sur du Arc. Comme ça. Hein. Compte. Je sais pas trop. Jeu. Shield. Non. C'est pas shield. Accueil. Pilote. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment faire. C'est quand on fait Alt Z, je crois. Diffusion. Ok, je démarre par exemple. Actuer le replay, hein, sans savoir que c'est tout ça. Connexion. Twitch. Connexion.
timbré. On va tester, hein. Par contre, faudrait falloir que je coupe Twitch du coup le live. Je sais pas, je sais plus comment ça se passe. Je sais pas. Je sais plus. C'est pas que je sais plus, c'est que je sais pas du tout. Faut que je regarde. Tu veux dire que tu vas couper OBS plutôt, non? Ah, couper OBS, ouais. Oui, bah oui. J'en sais rien. Bah sûrement, oui. Bah oui, je vais devoir couper OBS. Ouais, c'est logique en fait. Mais... On va déjà voir. Là, je vais double live, ça va être bizarre. Je crois que je vais vous laisser là et je testerai. Et se trouve, on se reverra avec GeForce Experience live. Mais je suis sceptique, hein, s'il n'y a aucun réglage, je suis vraiment sceptique, Romain. Moi, j'ai une co de merde. Et pour ça, je fais taffer mon PC attaqué pour encoder, quoi. Mais après, je sais pas, t'as peut-être raison. J'espère que t'as raison. J'espère vraiment que t'as raison. Je vois pas comment je pourrais avoir une meilleure qualité. Ce qui me bride, c'est vraiment la connexion. Donc comment est-ce que en live avec ça, je pourrais avoir une meilleure connexion? Ça changera pas. J'y crois pas du tout, mais. Enfin, pas du tout, non, parce que sinon je testerai pas. Mais. Chelou quand même. Ah, faut que je prenne mon téléphone et tout machin. Bah. Je crois que je vais couper le live là et ça se trouve, bah, je relèverai parce que de toute façon, je vais devoir couper OBS. Donc je vous dis à toutes, désolé de rage-quitter. Rage-quitter, tout court. Et voilà. Peut-être à plus tard, peut-être à demain soir. Bonne nuit, bon appétit, bon je sais quoi. Au revoir, ciao, tchuss. Attention, attention aux oiseaux.